pause, je vous invite à prendre place pour ceux qui ne sont pas assis. Nous allons commencer cette soirée. Quelques tout petits mots d'abord pour vous remercier d'être là nombreux. Remercier évidemment les nombreux intervenants. Je laisserai Maud les présenter. Et pour vous dire que ce débat s'inscrit dans la candidature de Grenoble à la capitale verte européenne. Notre objectif, c'est de nous fédérer, habitantes, habitants, collectifs, associations, acteurs économiques, acteurs universitaires, institutions aussi. Et j'en profite pour excuser l'absence de Christophe Ferrari, président de la métropole, mais qui porte aussi cette candidature avec nous. Notre objectif est de nous fédérer à la fois pour faire un point un peu sur ce que nous avons fait déjà, ce que ce territoire a fait déjà. Et il a fait beaucoup. Et ça peut nourrir à la fois une certaine fierté, mais surtout une volonté de se dire que comme on a déjà réussi plein de choses, on peut en réussir beaucoup plus. Et donc, comment nous pouvons accélérer ensemble, nous fixer des objectifs communs. C'est ça, je crois, notre objectif aujourd'hui. Et dans ce cadre, il va y avoir un débat par mois. Le prochain, après la biennale, sera donc la biennale des villes en transition, sera donc en avril. Il sera autour du climat. Tout cela, se fait. C'est nous tous qui devons nous emparer de cette candidature, non pas comme pour avoir un titre, mais pour en faire un levier, pour aller plus loin, pour accélérer et puis pour faire converger les objectifs de l'ensemble des acteurs du territoire. Donc voilà, bienvenue à tous dans cette soirée autour d'un sujet évidemment emblématique pour notre territoire, qui représente à la fois le combat citoyen, qui représente le bien commun, qui représente un enjeu majeur évidemment à l'échelle des Alpes, puisque nous portons finalement une candidature alpine, là où le dérèglement climatique va deux fois plus vite qu'ailleurs, et donc là où nous devons être aussi deux fois plus audacieux pour être à la hauteur des responsabilités qui nous font face. C'est dans cet objectif que nous lançons cette série de débats, et donc je suis très heureux de vous accueillir ici à la mairie de Grenoble ce soir. Il y en aura sans doute dans d'autres lieux ailleurs, on tournera un peu pour que ces débats soient vraiment l'objet d'un caractère fédérateur pour nous tous. Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous. Je donne la parole de moi à notre sénateur de l'Isère, Guillaume Gontard, également. Et nous passerons ensuite un peu plus de deux heures tous ensemble. Merci. Merci et bonsoir à tous. Et merci pour l'invitation ici à Grenoble. Moi, je suis très, très heureux de participer à ce lancement de Grenoble comme capitale verte européenne. Et je pense que c'est un beau marqueur, un beau signal qu'on peut lancer. On sait que Grenoble est déjà regardé. On observe Grenoble sur tout ce qui peut s'y passer en matière de transition. Mais je pense que là, on donne aussi un autre objectif. Donc ça me paraît particulièrement intéressant de se lancer sur cette perspective de Grenoble Ville Verte 2022. Et puis ces thématiques, ces forums qui sont lancés avec cette question et ce sujet sur l'eau qui me touche particulièrement, puisque je dirais que l'eau, ce lot bien commun, je pense que c'est un sujet particulièrement important. On le voit sur ces ressources qui s'amenuisent petit à petit. On le voit avec nos glaciers. On le voit aussi sur tous les projets qu'on peut faire, que c'est un élément qui doit être en premier lieu pris en compte, puisque c'est les ressources de demain. Et puis aussi sur qu'est-ce qu'on fait de cette ressource et d'inscrire, en tout cas, moi, c'est quelque chose auquel je travaille, d'essayer d'inscrire ça dans la loi, enfin de le remettre dans la loi, puisque c'était quelque chose qui existait comme l'eau bien commun, qui ne peut pas être quelque chose de marchand. Et ça fait aussi référence à ce qu'on peut avoir sur la question des barrages et des concessions de barrages où on nous dit qu'on est obligé quasi d'ouvrir à la concurrence, alors que si le pays déclare que l'eau est un bien commun, on peut sortir de cette obligation, et qui est un vrai challenge pour la suite, de préserver l'eau comme bien commun. Donc je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire là-dessus ce soir. Merci à vous. —
Bonsoir à toutes et à tous. C'est moi qui vais faire le rôle d'animatrice pour cette soirée. Je vous propose, avant de démarrer la première table ronde, de vous présenter le déroulé de cette soirée. Et d'abord, de commencer par en vous présentant la facilitatrice graphique qui est à nos côtés, Stéphanie Aymon. Elle est chargée à la fois de recueillir, de croquer les moments importants qu'il va y avoir lors des deux tables rondes, mais aussi du témoignage de collectif. Et puis aussi derrière, de pouvoir aider le public, parce que derrière ça, et le maire l'a dit, c'est de pouvoir aider à alimenter la candidature de Grenoble à la capitale verte européenne 2022. C'est une candidature que l'on veut collective, parce que nous sommes persuadés que sur ce territoire, nous avons énormément de dynamique, d'envie, de projets que nous avons supportés et pour lesquels nous sommes aussi à horizon 2030 vers encore d'autres perspectives. Et l'idée, c'est que vous puissiez tous participer et que ces éléments-là que nous vous proposerons en deuxième partie de soirée viendront alimenter cette frise qui est derrière vous. D'ailleurs, je crois qu'il y a déjà quelques post-it qui ont été déposés. Et ces éléments-là que Madame Aymon va nous apporter, ça permettra à la fois d'alimenter notre dossier de candidature dans un premier temps, ça nous permettra aussi de nous faire réfléchir sur quelles perspectives, quels objectifs et orientations on se donne dans le cadre de cette candidature à horizon 2030. Ça nous permettra aussi de garder des éléments graphiques qui, en termes de communication, continueront à alimenter tout ce travail collectif. Et puis, comme le maire l'a dit, une série de conférences tous les mois qui tournent autour des différentes thématiques auxquelles on doit répondre dans le cadre de notre candidature et qui vont permettre à terme aussi de préparer une exposition grand public, parce que c'est quand même l'objectif aussi que cette candidature de capitale verte européenne, elle soit portée par les institutions, mais aussi par la société civile, par les citoyens, par le monde économique, par les universitaires. Et c'est tous ensemble que l'on doit arriver à s'engager sur les enjeux qui sont face à nous aujourd'hui. Alors, pour démarrer cette soirée, nous avons deux tables rondes. Une première concernée à l'eau, une ressource rare, et puis une deuxième concernant l'eau, un bien commun. Pour la première table ronde, je vais inviter à mes côtés sur l'estrade Monsieur Marc Lémé, qui est journaliste et sociologue spécialiste de l'eau. Monsieur Martin Gerbeau, expert en hydrologie, et Monsieur Freddy Maignan, ancien gardien du refuge du Promontoire et président de l'association Montaigne Valderness. Alors, avant de donner la parole à chacun d'entre eux et derrière de proposer bien évidemment un échange, je voudrais resituer un petit peu le cadre de cette première table ronde. Quand on parle de ressources, de l'eau comme une ressource rare, nous le savons que dans les Alpes, le climat se réchauffe, les effets du réchauffement climatique se voient deux fois plus vite qu'ailleurs. Nous sommes, et nous l'avons vu en ce moment, en période de vacances scolaires. Nos pistes sont aujourd'hui fortement occupées. Les stations de ski attirent de nombreux vacanciers. Elles sont aujourd'hui un véritable moteur dans l'ensemble des Alpes, mais est-ce qu'elles pourront continuer demain à être au même niveau pour notre territoire et notre grande région ? La neige artificielle a fait ses apparitions dans les années 50 aux États-Unis, et le premier territoire qui a accueilli cette neige artificielle, c'est dans les Vosges, dans les années 60. Cette neige artificielle ou neige de culture est pour certains une solution à l'horizon 2050 qui permettrait un enneigement similaire à celui d'aujourd'hui. Et pour d'autres, cette neige artificielle pose plusieurs problèmes, des problèmes en termes de coûts énergétiques, de pression sur l'eau potable, mais aussi de contamination des eaux de ruissellement. Qu'en est-il exactement ? À un moment où le développement économique ne doit pas s'opposer à la préservation des ressources et à sa protection,
Pour en débattre, je propose de démarrer et de passer la parole à Monsieur Martin Gerbeau. Alors, je vous ai présenté peut-être un petit peu rapidement. Je reviens. Vous êtes expert en hydrologie. Vous avez travaillé avec un institut sur une étude qui met en perspective l'enneigement et les impacts des ressources des stations iséroises sur la période 2025-2050. Aujourd'hui, à quelles conclusions vous ont amené les travaux auxquels vous avez participé ? Bonjour à tous. Bon, donc, j'ai l'impression qu'on rentre directement dans le vif du débat sur la neige de culture. Donc, j'avais préparé un petit bout de diapo justement pour resituer un peu plus globalement ce que c'était que l'eau dans les Alpes, au moins au niveau de Grenoble. Donc, on pourra peut-être y revenir après. Si on en revient sur cette étude de neige de culture donc, qui avait été demandée par le département de l'Isère justement pour savoir si les investissements qu'ils accompagnaient allaient être viables ou pas. Donc l'étude demandait à la fois de regarder si dans le futur on pouvait continuer à produire de neige de culture et à viabiliser les pistes et si par ailleurs l'eau était disponible pour réaliser cette production de neige artificielle. Et donc les conclusions rapidement de l'étude donc à l'échelle de l'Isère montraient que dans le futur, au moins jusqu'à l'échéance 2050, après ça devient plus compliqué, on pouvait continuer à produire neige de culture et effectivement continuer à viabiliser les domaines skiables. Et sur la partie eau, on montrait que le besoin supplémentaire qui était lié au réchauffement climatique, bien entendu, il y aura besoin de produire plus de neige, mais que globalement, on arrivait à maintenir une adéquation ressources-besoins qui était satisfaisante et qui n'était pas dégradée par rapport à la situation actuelle. Donc on pourra revenir peut-être un peu plus sur les détails. Après, je ne sais pas ce que... Alors, peut-être pour approfondir un petit peu le sujet, l'étude a été demandée par le département de l'Isère, mais il est vrai que notre organisation administrative ne colle pas obligatoirement à la géographie de nos massifs. Et la carte que nous avons effectivement sous les yeux montre que les bassins versants peuvent aussi avoir des impacts à une échelle un petit peu plus large. Donc, comment est-ce que vous avez été amené à conduire cela ? Voilà, donc l'idée là justement pour dézoomer un peu et pas forcément se focaliser sur neige de culture, donc l'idée c'était de proposer un peu un état des lieux de ce qu'était l'eau à l'échelle d'un bassin versant comme celui de l'Isère au niveau de Grenoble, la confluence avec le Drac. Et donc comme vous le dites effectivement, il y a le département de l'Isère mais il y a aussi toute une partie de la Savoie qui vient alimenter l'Isère et une petite partie des Hautes-Alpes qui alimente le Drac. Donc typiquement quand on va se poser des questions sur l'alimentation en eau au niveau de Grenoble, il va falloir avoir une vision plus large et pas forcément se focaliser à une échelle d'un département. Donc ce qui était intéressant, je trouvais sur cette carte, c'était aussi de rappeler quelques ordres de grandeur. Donc je vous ai mis en bleu quelques débits au niveau de stations un peu caractéristiques, donc le Drac et l'Isère au niveau de Grenoble. Donc vous avez les débits moyens, puis vous avez, pour donner un ordre de grandeur, le volume écoulé à l'échelle de l'année. Donc on voit que par exemple sur l'Isère, on a 5600 millions de mètres cubes qui s'écoulent à l'échelle de l'année. Et puis ensuite, donc quand on va remonter dans les massifs à une échelle de plus en plus petite, vous avez par exemple un exemple de la Romanche à Bourdoisan, et puis une autre station sur un bassin beaucoup plus petit, sur la Sarène, donc à l'aval de la station de la Pudesse par exemple, donc qui montre un peu la variabilité des débits qu'on peut avoir. Et donc ça permet ensuite de relativiser finalement les prélèvements qu'on peut avoir à l'échelle d'un bassin, petit ou grand, par rapport à ce qui s'écoule. Et c'est sans doute une erreur qu'on peut avoir rapidement tendance à faire quand on parle de ces questions de ressources en eau, c'est justement de ne pas situer à la bonne échelle. C'est-à-dire de parler d'un volume, par exemple, de prélèvement sur l'hydroélectricité ou sur la neige des cultures à l'échelle d'un grand bassin, alors que la problématique, en fait, elle est toujours très locale. L'adéquation ressources-besoins se fait localement, donc au niveau du prélèvement, et en regardant aussi la temporalité, c'est-à-dire est-ce qu'on prélève à un moment où on a de l'eau ou à un moment où on n'a pas d'eau. Et donc c'était bien sûr un des points importants de l'étude qui a été menée pour le département, c'est vraiment de regarder cette adéquation ressources-besoins au niveau de chacune des stations, et donc de regarder à quel endroit on prélève, à quel moment on prélève, donc ça dépend ensuite, est-ce qu'on va stocker l'eau ou pas, et donc de regarder si la ressource est disponible au moment où on la prélève ou pas, et finalement est-ce qu'il y a des conflits avec les autres usages, avec les besoins du milieu, donc ça c'est le travail qui a été fait. Plus ensuite, toute une prospective, donc on pourra peut-être y revenir un peu plus tard, pour savoir finalement
comment cette ressource en eau évolue dans le futur. Donc le premier volet qui était réalisé par Météo France et l'IRCA visait à dire en 2030, en 2050, en 2100, pour continuer à viabiliser les stations, on aura besoin de produire tant de milliers de mètres cubes de neige artificielle par domaine skiable. Et donc l'idée ensuite, c'est de regarder est-ce que on peut trouver assez d'eau ou pas pour produire cette neige. Et donc l'idée, c'est de voir justement comment la ressource évolue dans le futur sur chacun des points d'intérêt en fait là-dessus. Donc il y avait une autre planche, je ne sais pas si on regarde maintenant ou plus tard, on pourra y revenir. Alors ça va tout de suite être un peu technique, mais c'était une idée justement d'un exemple. Donc ça, c'est sur le bassin de la Grèce, donc sur la barrière est du Vercors. Donc l'idée, c'était de reconstituer. Donc là, typiquement, on est au niveau d'un point de prélèvement, point d'agriculture, mais on aurait pu faire l'exercice ailleurs ou pour un autre usage. Donc sur le graphique du haut, on a reconstitué les chroniques, enfin l'hydrogramme, ce qu'on appelle la variation du débit au cours de l'année à cet endroit-là. Et donc si on regarde que la courbe en bleu, grosso modo c'est la courbe médiane, donc c'est-à-dire qu'on a autant de chances d'avoir plus d'eau ou moins d'eau pour une période donnée de l'année que ce qui est marqué. Et donc ce qu'on voit très classiquement en montagne, on est à peu près à 1200 mètres d'altitude, les territoires du bassin, donc un bassin qui situe entre 1200 et 2400 mètres. Et donc ce qu'on voit, c'est que au printemps, on a bien sûr un pic de fonte de la neige, donc beaucoup de débit. Ça va atterrir au cours de l'été, donc avec moins d'eau. Et puis au cours de l'automne, les écoulements reprennent, il y a des nouvelles précipitations. Et au bout d'un moment, il se remet à faire froid, la précipitation tombe sous forme de neige, et donc les écoulements s'arrêtent un peu, voire on a un petit étiage hivernal. Donc ça, c'est la situation actuelle. Et donc ce qui se passe dans le futur, donc c'est le graphique du bas, donc à échéance 2050, donc là derrière on a fait tourner beaucoup de modèles de climat, etc. Donc c'est des exercices très moyennés pour arriver à sortir ces résultats-là. Et donc ce qu'on voit, et qui est à peu près caractéristique sur tous les bassins d'Isère, mais globalement sur les Alpes, c'est que le pic de fonte nivale est du coup beaucoup moins marqué, c'est-à-dire qu'il y a moins de neige à fondre au printemps, puisque cette neige elle a plutôt eu tendance à fondre régulièrement au cours de l'hiver, c'est-à-dire que soit on a plus de précipitations sous forme liquide, donc moins de neige à stocker, ou il fait plus chaud et donc le manteau de neige fond en plus, donc on a beaucoup plus de débit pendant l'hiver, un pic de fonte nivale qui est moins marqué et qui va avoir tendance à s'avancer au printemps, et du coup en été on a un étiage estival qui est beaucoup plus marqué et qui dure plus longtemps, parce que du coup moins de neige qui fond, des températures plus élevées, donc plus élevées pour transpiration, et donc un étiage estival qui va être plus marqué. Et puis après, à l'automne, ça reprend. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez caractéristique. Donc on a fait l'exercice à plein d'endroits de l'Isère. Donc c'est plus ou moins marqué selon qu'on se situe en altitude ou pas. On va avoir ce signal qui est plus ou moins marqué. Mais globalement, c'est une tendance qu'on retrouve partout, justement, à avoir du coup plus d'eau en hiver et généralement moins d'eau en été. À l'échelle de l'année, si on raisonne à l'échelle de l'année, c'est pour ça que c'est vraiment important de faire cette adéquation ressources-besoins à un pas de temps fin. À l'échelle de l'année, dans le futur, sur les Alpes françaises, globalement, il tombera à peu près autant d'eau qu'il y en a actuellement. Donc il n'y a pas de changement majeur sur les volumes écoulés. Par contre, c'est vraiment la saisonnalité qui va changer et qui pourra, sans doute dans le futur, poser un certain nombre de problèmes. On commence à le voir un peu, typiquement, l'exemple assez frappant qu'on a eu sur le lac d'Annecy cet été, où on avait un lac qui s'asséchait, même si ce n'est pas forcément mauvais en lui-même pour lui, mais c'était assez frappant. Ça, c'est des choses qu'on risque de retrouver de plus en plus souvent, justement, avec des étés et des automnes éventuellement qui seront de plus en plus secs, et donc avoir du mal à avoir des écoulements qui reprennent. Donc voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. Mais... Non, non, très bien, merci. Peut-être un petit peu pour rebondir là-dessus, je me tourne maintenant vers Marc Lémé. Vous êtes journaliste et sociologue, vous êtes spécialiste dans le domaine des politiques publiques de l'eau. Et l'on sait, et je rebondis sur la dernière remarque de M. Gerbeau qui fait état du niveau très bas du lac d'Annecy l'été dernier, qui revient quand même sur le thème de notre table ronde, l'eau, une ressource rare.
Donc sans rentrer dans des éléments très techniques de débat ou qui n'est pas l'objet de la table ronde, mais c'est vrai que le rapport qui vient de nous être présenté est un appui aujourd'hui fort dans le développement économique des stations, et on a deux institutions que sont la région et le département qui s'appuient sur ces analyses-là pour investir plusieurs millions d'euros dans le développement de la neige de culture qui, de votre point de vue, amène un certain nombre de questions et d'inquiétudes dans le développement de la protection de cette ressource. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je vous précise d'emblée que j'exerce un peu des activités similaires à celles de mon contradicteur, parce que je fais du conseil pour les collectivités locales dans le domaine de l'eau, l'assainissement depuis une vingtaine d'années. Mais je voudrais vous présenter quelque chose que j'appellerais plutôt un rapport d'étonnement. J'interviens pas précisément sur ces questions-là, plutôt en termes de choix du mode de gestion, mais j'ai aussi eu à m'intéresser, par exemple, à l'irrigation agricole, à tous les problèmes que ça posait ces dernières années, souvenez-vous, Sivas. Et je vois là, dans la situation, un parallèle exact. On a d'un côté ici le business du ski, et donc il faut faire de la neige artificielle, et dans le sud-ouest, la FNSEA, il faut faire des retenues collinaires partout. Ceci posé, mon rapport d'étonnement, depuis un certain nombre d'années, parce que vu mes activités, je fais ce qu'on appelle de la veille, M. Gerbault certainement aussi, je suis abonné à une foule de publications, etc., etc. En 2010, j'avais été alerté par Mme Carmen de Jong, hydrologue tout à fait respecté, qui venait brutalement de se voir interdire de poursuivre ses recherches à l'Université de Savoie, alors qu'il y avait un programme financé sur fonds européens, donc j'avais gardé ça dans mes archives. Et en décembre dernier, alors là, il y a eu une avalanche, si j'ose dire, le mot peut-être pas très bien choisi. J'ai d'abord été alerté par plusieurs associations ici de la région qui s'inquiétaient, et j'ai commencé à regarder un peu le sujet. Et alors le 11 décembre, je reçois un communiqué de presse aux accents absolument dithyrambiques, nous indiquant que le Conseil général de l'Isère, enfin pas exactement, une organisation parapublique qui s'occupe de la promotion de tout ce qui touche à la neige et au ski, allait présenter une étude qui était une première mondiale, qui nous disait qu'il n'y avait aucun problème, qu'à l'horizon 2050, on pouvait continuer à faire de la neige artificielle. Alors, je vous avoue que ça m'a un peu intrigué, même plus encore, dans la mesure où, depuis maintenant une dizaine d'années, au bas mot, une vingtaine d'institutions tout à fait connues, respectables, n'ont cessé d'alerter sur l'impasse de la fuite en avant dans la neige artificielle, sur l'impasse du modèle de ce qu'on appelle le business de la neige, on pourra y revenir pour des tas de raisons, et on compte au rang de ces institutions deux rapports de la Cour des comptes de 2011 et 2016 qui n'ont pas été suivis d'effet, un rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Tout récemment, je l'ai publié dans la suite de ma première parution, et je tiens à les saluer ici, un rapport de la FRAPNA, une association bien connue dans votre région, qui a travaillé pendant des années sur le terrain, et tous, alors on peut encore continuer, il y a eu un rapport de l'AFSET en 2008, il y a eu des travaux de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, le CGEDD, l'adoption du sage Drac Romanche, qui a aussi émis des questionnements là-dessus, etc., etc. Donc, au vu de tout ça, j'ai commencé à creuser encore un petit peu le dossier, et je vous avoue, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup aujourd'hui. Nous sommes deux mois après l'annonce du Conseil général de l'Isère. Le Conseil général de l'Isère annonce qu'il a mobilisé, donc dans le cadre d'une enquête qui n'a pas de précédent à l'échelle mondiale, des institutions comme le CNRS, comme l'IRSTEA, l'ex-CEMAGREF, Météo France, et monsieur, qui intervient, j'imagine, dans le groupement. Mais moi, ce qui me pose question, c'est qu'à ce jour, et je demandais à toutes ces institutions qu'on me communique les rapports, cette fameuse enquête mondiale, rien. Donc, aujourd'hui, la seule chose dont je dispose, comme vous, c'est un document de synthèse, en gros, une plaquette publicitaire qui a été diffusée le 15 décembre dernier, mais qui nous explique donc qu'il y a eu trois phases, il y a eu des marchés. Moi, si vous voulez, c'est mon boulot, donc je regarde un peu ça. Apparemment, il y a des marchés qui auraient été lancés. Mais le problème, c'est que moi, je n'ai pas connaissance de ces marchés, je ne connais pas l'appel d'offres.
on constate quand même, et je suis bien placé pour le savoir, que quand on travaille comme consultant, on est prisonnier de son commanditaire. Donc j'aurais été extrêmement étonné que monsieur, par exemple, vienne nous dire ici, c'est un désastre, il faut arrêter tout. Bon, mais ça, je ne vais pas lui en faire spécialement le reproche. Moi aussi, j'interviens pour des commanditaires, et je sais très bien que si je réponds totalement à l'inverse de ce qu'ils m'ont commandé, ma carrière finit. Quoi. Bon, alors je suis plus vieux que monsieur, c'est peut-être moins inquiétant, mais enfin quand même. Donc, si vous voulez, ce que je trouve extrêmement inquiétant, c'est à ce jour, il n'y a pas l'ombre de la parution de ces rapports. Or, c'est fondamental, puisque c'est sur cette base que le Conseil général, après le Conseil régional, après que dans les 5 dernières années, 300 millions d'euros aient déjà été investis, s'apprête, là c'est dans la plaquette qu'on nous donne, à investir rien moins que 150 millions d'euros à l'horizon des prochaines années. Or, l'intégralité des constats que j'évoquais tout à l'heure, que j'ai publié en annexe de mes parutions récentes, etc., ne sont que des cris d'alarme. Alors, comme M. Gerbaud est là, je vais en profiter, puisque dans la fameuse plaquette, et je crois que vous l'avez répété le 28 décembre dernier dans une interview au Dauphiné Libéré, vous nous dites « L'augmentation de la demande impliquera plus de remplissage hivernaux que sous le climat actuel. La ressource supplémentaire hivernale, 30 à 100% d'écoulement en plus dans les cours d'eau, sera supérieure à l'augmentation de la demande induite par le changement climatique, 10 à 20% sur les massifs. » Donc là, on voit l'astuce, 30 et 5. Mais dans ces dernières années, des institutions aussi importantes que le ministère de l'Environnement, l'Agence de l'eau Adour-Garonne, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, ont fait travailler M. Jouzel, ont fait travailler des gens du GIEC, etc. Et ont fait des travaux de prospective. Il y a une prospective 2070 qui est très connue, il y a une prospective Garonne 2050, mais personne ne se hasarde à présenter les choses comme ça. Moi, si vous voulez, quand je lis, à l'horizon 2050, on aurait donc de 30 à 100% d'écoulement en plus. Mais moi, j'aimerais bien savoir sur quelles recherches scientifiques, sur quels travaux repose cette évaluation. Il faut savoir, c'est 30 ou c'est 100. C'est pas du tout pareil. Non, mais je vous en prie. Et je continue encore un petit instant. Pour revenir, votre mission particulière, c'était d'analyser la situation. Si je me trompe, hein, vous me contredisez, mais je ne crois pas puisque j'ai récupéré votre marché. Votre marché, c'était de faire un audit de la situation hydrologique dans toutes les zones concernées. J'ai retrouvé une excellente étude que vous avez publiée le 11 novembre 2017, qui vous avait été commandée par un sage de Valence. Cette étude, tout à fait remarquable, je vous applaudis, comporte 58 pages, elle est parfaitement documentée, vous citez vos sources, etc., etc. Moi, j'attends que dans notre affaire là, du Conseil général, on nous produise l'étude, les travaux, les documents. Parce que pour ce qui concerne votre partie de la mission, si je prends un peu le périmètre du SAGE de la Drôme sur lequel vous avez travaillé, si je reprends le périmètre ici, quand on fait une étude hydrologique à l'horizon de plusieurs bassins versants, c'est quand même un travail énorme. On peut un peu le rapprocher, je pense que vous en serez d'accord, de ce qu'on appelle un schéma directeur d'eau potable et d'assainissement. Mais c'est un énorme boulot. On a besoin de ces données-là. On a besoin des données de métaux. Aujourd'hui, aucune publication. Donc comprenez mon étonnement, je m'arrêterai là pour l'instant, mais on pourra reprendre après. C'est vraiment, moi, je m'interroge, si vous voulez, sur la pertinence de ces informations qui nous sont assénées dans un seul objectif, de continuer, quoi qu'il arrive, on pourra parler du fond après, de la neige artificielle versus eau potable, etc., de continuer à marche forcée, quoi qu'il arrive, sans que la population ait été consultée, sans que ça ait donné lieu au moindre débat. Et j'en termine, je vous passe la parole, mais je voudrais quand même vous inciter à deux choses. Tous les études, là qu'on n'a pas, n'importe lequel d'entre vous, je pourrais même vous fournir les formulaires, peut les demander aux autorités qui les ont commandées parce que ce sont des études financées sur fonds publics. Il y a eu des marchés, on nous dit qu'il y a eu des marchés, donc il y a eu des marchés, il y a des traces, etc., etc. Donc là, la jurisprudence constante de la commission d'accès aux documents administratifs vous permet, après avoir envoyé un premier courrier recommandé au commanditaire de cette étude, de récupérer ces études. Et surtout, à ce stade, au vu des enjeux, je pense qu'un certain nombre de collectivités représentées ici présentes, un certain nombre de représentants de la société civile, au vu des enjeux que ça représente, de l'impact environnemental, auraient tout intérêt, je peux me permettre de vous y inviter, à saisir
un organisme dont on a beaucoup parlé dans l'actualité récente, dont la présidente a été débarquée par l'actuel gouvernement pour ne pas utiliser une méthodologie extrêmement solide au so-called débat national. Si demain, un certain nombre des collectivités, dont j'imagine certaines sont présentes dans la salle, un certain nombre de représentants de la société civile saisissent la Commission nationale du débat public, vous êtes au cœur de ces missions. Vous demandez un débat particulier. La CNDP met en œuvre une méthodologie extrêmement robuste. Toutes les parties prenantes seront invitées autour de la table et il y aura un processus itératif au terme duquel toutes les données auront été mises sur la table, tout le monde aura pu être participé, et il y aura une décision finale de la CNDP qui pourrait, à mon sens, être fort utile pour éclairer les différents porteurs d'intérêts et surtout les politiques qui se retrouvent en situation de décider dans cette affaire particulière. Merci. Alors avant, parce que il y a effectivement la volonté de répondre, mais je voulais d'abord me tourner vers Freddy Maignan. Eh bien, allez, alors un petit temps de réponse, mais moi j'aurais voulu avoir voilà, le regard d'un quelqu'un qui est en montagne et comprenne effectivement ce que vous avez pu voir ces 10 dernières années au cœur de nos massifs. Ouais, je préfère purger ces questions tout de suite parce que ce n'est pas forcément le plus intéressant pour le débat. L'étude, pour le moment, elle n'est pas diffusée, elle va l'être. C'est une demande forte qu'on a faite auprès d'Isère Tourisme. Il y a le directeur qui est là d'ailleurs, donc pour aller le voir. Alors, elle n'est pas publique parce que les stations, jusqu'à présent, ont communiqué des données qu'elles considéraient comme sensibles. Et donc, il y a un processus de conventionnement avec les domaines skiables pour qu'ils acceptent de diffuser l'étude. Je sais typiquement que la communauté de communes du Grésivaudan a pris une délibération hier soir pour communiquer l'étude sur les domaines skiables dont elle est gestionnaire auprès du département. Donc, c'est quelque chose qui va être fait, a priori, dans les prochaines semaines pour y voir avec le directeur d'Isère Tourisme. Et effectivement, c'est une très bonne chose que cette étude puisse être publiée pour avoir un débat politique et citoyen plus complet. Par rapport aux questions plus techniques, c'est quand même là que c'est plus intéressant, au niveau météorologie, justement, il y a un travail très poussé qui a été fait par Météo France et par l'IRSTEA et qui n'avait justement jamais été fait auparavant quand on étudiait l'impact du changement climatique sur les domaines skiables. C'est-à-dire qu'on avait des études très généralistes, mais on prenait jamais en compte le travail de la neige qui est fait par le damage ou la neige artificielle en elle-même. Et donc ça, c'était vraiment une grande première qui avait été faite, de même que la prise en compte du changement climatique régionalisée très finement à l'échelle de chaque massif. Donc ça, c'est vraiment des choses très pointues qui ont été faites et dont je vous ai présenté justement les résultats sur la partie hydrologie. Et bien sûr, quand je parle de 30 à 100%, c'est parce que les résultats qui ont été présentés, c'était une synthèse à l'échelle du département de l'Isère. Et donc, il y a des cours d'eau de basse altitude où effectivement le débit hivernal va doubler, voire plus, et puis des domaines skiables plus hauts en altitude où du coup l'impact du changement climatique sera moindre, et l'eau résultante en hiver, du coup, la fonte supplémentaire sera moins importante. Donc c'est pour ça, il y a des stations où ce sera 20%, et des stations où ce sera 200%, et on avait résumé ça par 30 à 100%, mais bien sûr, on a un niveau de finesse qui est plus important à l'échelle de chaque station. Donc ces données, elles vont être versées au débat public, j'espère, prochainement, et ça permettra d'avoir un débat serein sur ces questions, plutôt que rester sur des questions de posture, comme c'est peut-être un peu trop souvent le cas sur ces questions-là. Alors, merci pour ces éléments. Donc, on attend effectivement de pouvoir avoir, en tout cas, que les connaisseurs et les experts puissent avoir une lecture attentive de cette étude. Je me tourne maintenant vers Freddy Maignan et on souhaiterait avoir votre regard en tant que professionnel de la montagne. Alors, on est sur un secteur qui a été moins construit et qui n'utilise pas la neige de culture, mais quand on parle aujourd'hui de l'eau en tant que ressource rare, et vous en tant qu'ancien gardien du refuge du promontoire dans le massif de la Meije, qu'est-ce que vous avez pu observer ces 10 dernières années, et surtout quels conseils aujourd'hui vous donnez à la fois aux acteurs économiques, aux institutions, pour préserver cette ressource? Merci. Effectivement, je ne vais pas, même si la question des canons est une question importante, je ne vais pas commencer par ça. Je ne vais même peut-être pas beaucoup en parler, parce qu'il y a déjà plein de choses qui ont été dites. Moi, il me semble que il faut qu'on... dans ce débat-là, ce qui m'intéresse, c'est bien sûr ce qu'on fait cas par cas, les études techniques qui portent tel ou tel choix, mais c'est pourquoi faire. Parce que... quand même ça l'essentiel.
on est un peu dans une situation compliquée planétairement quand même. Donc moi je veux bien qu'on réponde que techniquement à des questions. Si on va dans le mur, savoir si on y va à 55 ou à 60 km/h, je m'en fous un peu. Donc il y a la question de qu'est-ce qu'on fait de l'eau, quel usage on fait de l'eau dans nos territoires de montagne. Et se poser cette question-là, c'est dans le contexte global, on ne peut pas réfléchir non plus que nous. Or, le contexte global, je ne vous le fais pas ici, tout le monde le sait. Bon, le réchauffement, vous savez ce que c'est, ce que ça représente. La biodiversité, les espèces qui disparaissent à vitesse grand V. En gros, quand même, l'espèce humaine et ses aménagements prend de plus en plus de territoire planétaire et laisse de moins en moins de place aux autres parce qu'on aménage, on aménage, on aménage. Et on sait que ça, c'est invivable. Ce n'est pas vivable. Sans parler des pollutions, ainsi de suite. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut réfléchir à ce qu'on fait de l'eau en montagne. Et qu'est-ce qu'on fait de l'eau en montagne en sachant, avec un autre paramètre qui compte beaucoup pour moi, parce que quand on réfléchit notre activité, y compris professionnelle en montagne, c'est qu'on réfléchit aux gens avec qui on a affaire, quoi. Or, l'eau, pour beaucoup de citadins, c'est l'eau du robinet ou c'est l'eau du Rhin, du Rhône ou de la Seine. Le cycle de l'eau, on l'apprend juste en école primaire. Pour de vrai, on ne le voit pas. On le voit pas. En territoire de montagne, on a cette chance extraordinaire. À Grenoble et dans les massifs autour, on a cette chance extraordinaire. C'est de pouvoir regarder une source, l'eau qui sort de la terre, de pouvoir voir la force d'une cascade, de pouvoir voir la neige qui tombe, de pouvoir écouter les torrents. L'eau qui se cogne contre les rochers, qui contourne les rochers, mais des choses peut-être juste essentielles de la vie, qui est autre chose que l'eau du robinet ou l'eau du Rhin ou du Rhône. Mais est-ce qu'on n'a pas cette chance-là dans les territoires de montagne ? Oui, on l'a, nous on le voit, ce cycle de l'eau. Ce cycle de l'eau qui est vital, qui est partout. Or aujourd'hui, un de nos problèmes, quand même planétaires, est-ce que c'est pas que les gens sont... Il y a 500 millions d'Européens, 411 millions de citadins. Et pour la première fois dans l'histoire de notre civilisation, des citadins qui, contrairement à il y a encore 10, 20 ou 30 ans, avaient toujours un oncle, un grand-père, quelqu'un qui s'occupait de la Terre, là non, complètement coupé. Alors, j'entends bien, on parle de l'eau, donc quelque part, on parle du tourisme, mais fondamentalement, est-ce que la question qui est posée aujourd'hui, c'est pas en urgence de réfléchir quelles sont les richesses de ces territoires? On a une chance extraordinaire, je le répète, à Grenoble et dans les massifs dans lesquels nous sommes, pour pouvoir mieux partager ça. Or, se poser la question, jusqu'à quand on peut continuer comme avant? Excusez-moi, la question est pas très bonne, quoi. Elle peut se poser, je dis pas qu'il faut pas y répondre. Mais c'est comme stratégie, dire jusqu'à quand on peut tenir comme avant. Mais écoutez, je suis désolé, mais on est où? On est sur la planète Mars, quoi. Voilà. Et donc moi, réellement, c'est cette question de fond qui est posée. Quelle politique pour nos territoires de montagne et quel tourisme? Parce que si c'est simplement continuer à porter ce qu'on a tous porté depuis des siècles, c'est que l'homme aménage, adapte, soumet, malmène. On va continuer ça? Mais attendez, mais on est tous concernés, je suis désolé. On ne peut pas continuer ça. C'est pas que je veux pas, c'est pas mon idéologie, c'est pas ma pensée. C'est une réalité. Donc à un moment, on a cette chance avec ces territoires. Est-ce qu'on va continuer à faire? Continuer, mais non, on aménage, on pompe l'eau, les sources, on les capte. Mais attendez, sur le fond, c'est philosophique, c'est vital. Moi, je dis clairement que maintenant, au point où nous en sommes, je pense que la question de quel tourisme, quel rapport à nos territoires, quelle vie dans nos territoires, elle est fondamentale. Et que, clairement, ce que j'ai un peu peur avec les études en cours, c'est qu'on se dise, oui, on continue le plus loin possible, on verra, on parlera de la transition. Mais est-ce qu'il ne faut pas résolument investir dans autre chose, investir dans un autre rapport à la nature, dans les hommes qui le font vivre, plutôt que d'investir dans les canons?
excusez-moi, en termes d'avenir, en termes d'équilibre du territoire, c'est une vraie question politique qui est posée. Et moi, de prendre conscience, quand je dis les territoires, c'est que moi je le vis là-haut. C'est que quand on regarde les glaciers à côté de Montfuge, tout le monde pose la question, vous les voyez reculer? Je dis, je sais pas que je les vois reculer, c'est que ça pète à la gueule, tellement ça recule vite, quoi. C'est bouleversant intérieurement, quoi. Ça va très vite en haute montagne. D'abord parce que le réchauffement est plus marqué en haute montagne, et puis que c'est des territoires plus fragiles, et les glaciers sont des zones sensibles, quoi. Donc, ça va très très vite. Mais quand on regarde un petit peu en dessous, c'est des territoires sacrément éducatifs dans le malheur actuel, quoi. C'est que, je leur dis, attendez, les glaciers qui est à côté du refuge, quand il va disparaître, regardez, il y a un torrent qui coule là. Il coulera plus. Il alimente soit le Drac, soit l'Isère, soit la Durance de l'autre côté. Excusez-moi, l'accélération des zones des périodes de sécheresse, des périodes d'inondation, parce qu'il n'y aura plus ces régulateurs que sont les glaciers. Voilà, l'eau a un rôle aujourd'hui. L'eau, elle est véritablement vitale. Et alors, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on est simplement des aménageurs au nom de je ne sais pas trop quel enjeu à court-termisme? Bon, excusez-moi, la question nous est tous posée d'une vraie transition, c'est-à-dire on a un modèle qui ne peut plus vivre, il faut imaginer tous ensemble un autre modèle, et moi, c'est fondamental. Voilà. Merci pour ce témoignage et cette prise de position, je pense, qui nous fait tous réagir et on a effectivement une responsabilité à la fois individuelle et collective. J'ai envie de vous poser la question à tous les trois. Comment est-ce que, au travers de ce dernier témoignage, comment est-ce qu'on peut arriver à la partager, cette ressource, à la préserver, et comment est-ce qu'on peut aussi, au travers d'une candidature que l'on porte, mais qu'on le porte collectivement dans le cadre de cette Europe, comment est-ce que l'on peut, nous, territoire de bassin, arriver à imaginer la préservation de cette ressource, et puis une vraie prise de conscience, je pense, de l'ensemble de nos concitoyens, que ce soit nos concitoyens urbains ou nos concitoyens périurbains et de montagne. Un peu dans le droit fil de ce que j'évoquais tout à l'heure, même si c'est un peu technique, on va pas avoir le choix, il est déjà trop tard. Dans les études là, et les propos de M. Gerbeau aussi, toujours dans le Dauphiné libéré, vous nous dites qu'il n'y a pas de conflit d'usage. En décembre dernier, Géoti était alerté. Il y a déjà des conflits d'usage. Il y en a à Chamonix, à Chambous, il y en a eu à Vauriaz, il y en a à Saint-Martin-d'Uriage, m'a interpellé une dame ici tout à l'heure. Il y a déjà des conflits d'usage entre l'eau, la gestion de l'eau pour l'alimentation en eau potable et la neige artificielle. C'est déjà là. Bon. Et quand on sait qu'aujourd'hui, les prélèvements opérés en moyenne globale, hein, c'est à 60% dans des retenues d'altitude, 25% par prise directe dans les ruisseaux et 15% dans les trop-pleins d'AEP. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est d'après les statistiques officielles, malheureusement, de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, il y a aussi la question de l'assainissement qui se pose, dont on ne parle jamais. Aujourd'hui, il y a moins de 25% des stations d'épuration de votre région qui sont aux normes. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Et ce qui est en jeu là, sur la base des modifications profondes du cycle hydrologique qui ont déjà été opérées. Je pense qu'on aura au moins un point de consensus. Tout le monde s'accorde à reconnaître que l'impact du réchauffement climatique sur le cycle hydrologique va entraîner, d'un côté, des phénomènes de plus en plus extrêmes. D'un côté, inondations, tsunamis, etc. De l'autre, sécheresse, dérèglement du cycle du climat, etc., etc. Au regard de tout ça, ce qu'il faut là prendre en compte impérativement, c'est la réalité déjà de l'état de dégradation de tout le système hydrologique et se poser à partir de là, quels moyens pouvons-nous déployer pour déjà faire respecter la réglementation. Aujourd'hui, la neige artificielle échappe, c'est absolument miraculeux, il y a un travail de lobbying depuis très longtemps qui a été fait, échappe à peu près à tous les encadrements réglementaires.
Ça, c'est assez, on pourrait creuser, hein, mais il y a des choses extrêmement intéressantes de ce côté-là. Donc, exiger de faire respecter la réglementation. Pourquoi l'ARS ne va pas contrôler la qualité de la neige qui est produite, etc., etc. Et pour ce qui concerne les citoyens, vous informer, vous mobiliser, interpeller les élus, interpeller toutes les institutions en charge, un peu dans le droit fil de ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais j'approuve par ailleurs tout à fait les grands élans humanistes de mon voisin. Hein. Bien sûr, mais ça ne suffit pas. Voilà. Une réaction de vous deux ? Bon, une petite réaction justement sur comment on partage la ressource et sur ces conflits. Alors, moi, ça me gêne vraiment d'avoir à faire la défense de la neige de culture et un peu l'avocat du diable. Il y a quand même des choses qu'on entend, moi, qui me choquent un peu. Je pense que des conflits d'usage actuellement entre l'eau potable et la neige de culture, il n'y en a pas ou peu, du point de vue quantitatif. Il y en a peut-être eu du point de vue qualitatif à Champs-Rousses. Du point de vue quantitatif, des stations qui manquent d'eau à Noël, oui, il y en a eu. Ça, c'est clair, il y a des exemples, il y a eu la Clusaz, il y a eu Avoria, mais ce n'est pas le fait de la neige de culture, c'est le fait qu'il n'y avait plus d'eau dans les sources. Et ce n'est pas parce qu'on a rempli des retenues collinaires au mois d'avril qu'il y aurait eu plus d'eau au mois de novembre ou décembre pour alimenter la population. Donc là, c'est vraiment un problème d'urbanisme et d'alimentation, mais ce n'est pas un problème de conflit d'usage. Ensuite, si on veut s'intéresser plus de manière voilà, plus consensuelle au niveau de la gestion des conflits d'usage, maintenant se montre de plus en plus ce qu'on appelle par exemple des sages. Donc c'est sur des bassins versants, on va tout ensemble, la population, les usagers, les politiques, etc., se mettre d'accord sur une gestion intégrée du bassin versant, où justement, de manière concertée, on va faire des arbitrages pour dire en prévisibilité tel usage ou tel usage, on va défendre le milieu de telle façon. Et donc ça, c'est des choses qui se mettent en place petit à petit sur les territoires de montagne. Donc, typiquement, sud de Grenoble, on va avoir deux sages sur Drac-Romanche et sur le Drac-Amont. Et donc là, toutes ces questions de partage de la ressource sont discutées de manière collégiale et globalement, ça se passe pas trop mal quand on arrive à monter ce type de structure. Après, au niveau des contrôles, oui, il y a les services de l'État, alors qu'ils ne sont pas toujours forcément nombre suffisant, mais je pense qu'ils font quand même leur travail, là encore, du point de vue quantitatif. Du point de vue qualitatif, j'ai moins d'expertise, donc je ne parlerai pas là-dessus. Mais je sais typiquement qu'il y a un certain nombre de stations qui ont pu se faire épingler ces dernières années pour des choses justement un peu limites. Et il y a des contrôles, il y en a de plus en plus. Donc voilà, je pense que maintenant, autant il s'est peut-être passé des choses il y a quelques années, autant maintenant les choses... Parce que justement, à cette pression, on rentre dans l'ordre et je pense qu'il faut arriver à trouver des manières de gérer l'eau qui soient les plus cadrées possibles pour que justement, on n'ait pas à franchir les limites et que tout se passe bien. Mais voilà, pour moi, c'est des choses qui appartiennent plutôt au passé. Moi, je pense que la meilleure façon de préserver l'eau, il y a des mesures législatives, il y a un certain nombre de choses, des réglementations à faire respecter, je partage complètement. Mais j'aimerais bien qu'on n'ait pas que à réglementer. J'aimerais qu'il y ait des choses qu'on, vous savez, on protège ce qu'on aime bien, quoi. Et l'eau, c'est pas qu'un produit. C'est pas qu'un produit courant, c'est quelque chose d'assez vital. Et moi, si on pouvait avoir une politique beaucoup plus volontariste pour que, justement, on aille à la rencontre de ce cycle de l'eau avec les enfants, pour qu'on aille à réapprendre ce que c'est que cette vie-là. Et par exemple, c'est des choix aussi, ça, concrètement. Parce que si d'un côté, on continue à investir aujourd'hui, en 2019, on sait qu'il y aura une limite à ce qu'on fait aujourd'hui. On le sait, puisqu'on en parle. On parle de 2050, 2000 machin, enfin bon, peu importe, on s'en fout, limite. Mais il y a, on sait que ça existe. Donc, est-ce qu'il ne faut pas investir résolument maintenant dans une démarche qui permet aux citoyens, aux acteurs de demain, de se rendre compte de cette richesse, de cette chance qu'ils ont. Par exemple, il y a mon collègue de Champs-Rousses, tu ne m'en voudras pas, Franck, hein, si je parle de toi, mais ce n'est pas du tout ça, un débat. Je n'ai pas envie qu'on rentre en opposition et dans, stérile. J'ai envie qu'on réfléchisse ensemble comment on avance. On a investi quasiment 10 millions dans la piste de Casse-Rousse, remplacement d'un téléski par un télésiège, plus terrassement, bulldozer, machin, et puis les conséquences qu'on a, accidentelles ou pas accidentelles sur l'eau d'Herbet. Ça va être aussi un débat. Mais au-delà de ça, je dis, dans ce contexte-là, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois, alors bien sûr ce n'est pas les mêmes financements, ok, on va me dire, mais sur le fond, est-ce que de permettre aux enfants des villes
aujourd'hui d'aller en montagne, véritablement en montagne, au contact de la nature. Avec 10 millions, on peut construire 5 refuges en moyenne montagne, dans lesquels on peut accueillir des enfants toute l'année, pas 2 mois, 3 mois par an, toute l'année, avec un certain nombre de professionnels, d'hydrologues, de poètes, d'accompagnateurs en montagne, de bergers qui font découvrir ce que c'est que cette vie naturelle. Eh bien, avec 5 refuges pour la même somme, c'est 15 000 enfants qui, par an, font cette expérience, y compris peut-être de dormir à la belle étoile à côté du refuge. Mais en termes d'éducation, en termes de sensibilisation, en termes de choix de ce que va être le tourisme avant 2050 et après 2050, c'est peut-être aussi fondamental. Donc la question de quel choix économique on fait aujourd'hui, en sachant qu'il y a des limites à ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on appelle la transition. Mais la transition, il faut savoir ce qu'on laisse derrière et il faut savoir vers quoi on va. Quel objectif on a, voilà. Et bien ça aujourd'hui, c'est, encore excusez-moi, c'est, ça me semble, vital. Merci à tous les trois, et je retiendrai un peu les propos des uns et des autres, où quand on parle d'éviter les conflits, de se donner les moyens de faire du lien entre les zones urbaines et les zones de montagne, d'accompagner aussi la prise de conscience des les plus jeunes générations, finalement on pose la question de la gestion de cette ressource, et donc je propose de passer à la deuxième table ronde, et je vous remercie beaucoup. On échangera après la deuxième table ronde. Merci. Alors, pour cette deuxième table ronde, l'eau, un bien commun à préserver, nous accueillons Antoine Brochet, qui est chercheur à l'Université Grenoble-Alpes, au laboratoire PACT, et qui est l'auteur d'une thèse intitulée « Les résistances territorialisées aux réformes de modernisation des services de l'eau ». Nous accueillons aussi à ses côtés Jack Cheng, qui est ancien directeur de la régie de l'eau potable de la ville de Grenoble, et Marc Lémé, qui reste avec nous à nos côtés. Juste pour situer cette table ronde, et avant de laisser la parole à ces trois messieurs, un élément de contexte. Aujourd'hui, la France s'apprête à changer de modèle de gestion de l'eau, un modèle hérité de la Révolution, qui était un modèle de gestion communale. Et la loi NOTRe de 2015 prévoit qu'à partir du 1er janvier 2020, il y a un transfert obligatoire des compétences communales en matière d'eau et d'assainissement aux établissements publics de coopération intercommunale. Est-ce un simple enjeu technique ? C'est pas si évident quand on s'attarde à la fois non pas au simple changement d'échelle territoriale, mais quand on regarde un peu plus près les enjeux économiques, et en particulier celui des délégations de services publics. Quelques chiffres qui vous parleront très vite. On a à peu près 60% de la population française qui est fournie en eau par 3 délégataires qui font pratiquement 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc une histoire de gros sous. Et qu'est-ce que ce changement concrètement va donner à la fois sur notre territoire, mais sur l'ensemble de notre territoire français? Et je vous propose de démarrer avec une analyse d'un point de vue national, et puis ensuite on reviendra sur le cas plus grenoblois. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Simplement un petit mot pour rectifier. C'est vrai que je suis chercheur associé au laboratoire PACT après avoir fait ma thèse à PACT. Et désormais, je suis post-doctorant à l'Institut des géosciences de l'environnement sur le campus universitaire. Et également, j'ai fait ma thèse en collectivité locale, c'est-à-dire avec le schéma de cohérence territoriale de la grande région urbaine de Grenoble. Donc, pour faire écho un peu à ce que vous avez dit, c'est vrai que moi, j'ai pas préparé grand-chose. J'ai juste pris des notes cet après-midi. Mais simplement, l'idée, c'était de vous donner quelques éléments de cadrage à l'échelle, on va dire, internationale et nationale sur le débat gestion publique privée de l'eau.
puisque ensuite Jacques sera beaucoup, sera d'autant plus expert avec la vision de l'intérieur, on va dire, en tant qu'ancien directeur de la régie des eaux de Grenoble. Donc simplement, comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'actuellement, à l'échelle nationale, on a environ 60% de la population donc gérée par ce que Marc Lémé a appelé les trois sœurs, c'est-à-dire les trois principales entreprises délégataires que sont Veolia, Suez et Lassor. Il n'en a cependant pas toujours été ainsi historiquement, puisque la gestion publique de l'eau a été dominante en France, au moins jusque dans les années 70, avec une gestion privée qui a commencé à s'épandre donc au début, on va dire, du XXe siècle, surtout sous une forme qui s'appelait la concession, donc dans laquelle l'entreprise était chargée de faire les investissements, parce que souvent les petites communes qui faisaient face à des problèmes d'eau avaient besoin d'investir dans leur réseau. Et ensuite, on est passé sur plutôt des contrats d'affermage, donc à partir des années 70, 80, 90, dans lequel la collectivité est toujours maîtresse des investissements, donc elle délègue le fonctionnement à l'entreprise. C'est simplement ces éléments, c'est un peu pour recadrer le débat sur entre privatisation, marchandisation, qui ne sont pas exactement les mêmes choses. Donc fin des années 90 et des années 2000, on a un peu l'apogée de ces entreprises privées qui s'exportent, donc qui sont très présentes en France, qui s'exportent à l'international, qui conquièrent de nombreux contrats, notamment dans les pays en développement, en Amérique du Sud, avec, on va dire, un constat d'échec important, avec de nombreux contrats qui vont être ensuite remunicipalisés. C'est le cas au Mexique, c'est le cas à Buenos Aires, c'est le cas à La Paz en Bolivie. Et puis, à la même époque, on a également des scandales de corruption qui éclate donc sur la gestion privée de l'eau en France. Donc c'est le cas emblématique de Grenoble, bien sûr, mais il y en a plein d'autres, bien par exemple Saint-Denis de la Réunion. Donc voilà, je vous disais ça parce qu'actuellement on parle beaucoup de vagues de retour en régie, de remunicipalisation des services d'eau. Néanmoins, c'est vrai que, comme je viens de le repréciser, c'est vrai que ce phénomène qui a touché 200 à 300 collectivités demeure largement minoritaire aujourd'hui, et on est encore dans l'ère de la délégation de la service public en France. Donc un autre élément de cadrage en lien, c'est que la gestion privée est une particularité à la française, puisqu'à l'échelle mondiale, même dans des pays, on va dire, qui ont mis l'économie de marché au cœur de la société, comme les États-Unis, la règle est la gestion publique de l'eau. L'autre exemple de gestion privée de l'eau, c'est le Royaume-Uni. Je vais pas aller en détail, c'est pas lieu aujourd'hui. Simplement, pour vous situer, par rapport à la France, eux, ils sont dans un modèle de privatisation. C'est-à-dire que, comme une entreprise que l'on privatise, on va pas revenir ensuite sur une gestion publique de l'eau. Alors qu'en France, on est dans un modèle de délégation, c'est-à-dire que, dans ce cadre, les collectivités locales, le maire, etc., ont toujours des responsabilités et des obligations, même dans le cas d'un contrat de DSP, c'est-à-dire qu'ils vont éventuellement donner les clés à l'entreprise pour le fonctionnement, éventuellement pour les investissements aussi, mais ils vont demeurer, en tout cas, ils ont le devoir d'un contrôle poussé sur les contrats, et ce contrôle est en effet pas toujours bien exercé dans tous les cas. Voilà pour vous cadrer un peu globalement. Et puis c'est vrai qu'on a une autre particularité en France par rapport en Angleterre, dans ce modèle, on va dire, public-privé, c'est qu'on n'a pas de réelle autorité de régulation qui serait chargée de contrôler les tarifs de l'eau, qui serait chargée du contrôle de la légalité des actes, de la performance des services d'eau, alors que pour le coup, c'est le cas en Angleterre. Donc voilà un peu pour des éléments de cadrage généraux. Ensuite, je voulais également vous dire que c'est vrai que quand on parle de choix en termes de gestion publique, de gestion privée, de gestion de l'eau en bien commun, il faut aussi comprendre qu'il y a un cadre de régulation, hein, un cadre juridique qui entoure, on va dire, l'exercice des compétences eau, et donc les collectivités locales ne sont pas non plus libres entièrement, on va dire, des choix et du type de modèle qu'elles vont mettre en œuvre.
Et ça, c'est vrai que historiquement, l'État a joué un rôle important pour dans l'accompagnement, on va dire, de la, non pas de la privatisation, mais de la marchandisation des services d'eau. Puisque si au début, jusque dans les années 20, l'État s'était pas prononcé, il avait laissé les communes qui le souhaitaient gérer de l'eau de façon non marchande, avec une quasi-gratuité de l'eau, notamment dans nos communes de l'Est de la France, où la ressource en eau était de qualité et abondante, il avait également laissé le choix aux communes qui le souhaitaient de déléguer la gestion de l'eau aux entreprises privées. Néanmoins, à partir des années 20, on va voir un contrôle accru, on va dire, de l'État qui va venir encadrer l'action des communes sur la gestion de l'eau et qui va promouvoir, notamment par des outils comptables, à compter des années 60, il y a des décrets en 63, en 67, qui vont venir poser de nouvelles obligations, notamment pour la gestion de l'eau en régie, qui vont être l'équilibre des recettes et des dépenses, qui vont être un peu plus tard les amortissements. Et donc, du coup, tout ce cadre, ça va pousser finalement vers une gestion que l'on peut nommer plus marchande de la gestion de l'eau, même si la gestion de l'eau reste, dans ce cas-là, en régie et publique. Dans ce cadre-là, c'est vrai que c'est un peu suite en fait à l'adoption de ce cadre comptable spécifique dans les années 70 que l'on a eu un recours plus accru à la délégation, puisque les règles qui s'appliquaient aux contrats, aux communes qui avaient choisi d'exercer directement la gestion publique de l'eau et celles qui avaient choisi d'être en DSP n'étaient pas les mêmes. Et par exemple, c'est vrai que la règle de l'équilibre budgétaire entre les recettes et les dépenses ne s'appliquait pas, par exemple, au contrat d'affermage. Et c'est donc une opportunité qui a été saisie par de nombreuses communes qui étaient en croissance démographique forte pour, on va dire, étendre leur réseau, de faire appel à eau privée dans ce cas-là. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur l'historique. Un petit mot sur le cadre actuel. Le cadre de régulation actuel, il est très influencé par les directives européennes, par le cadre européen, et également par les scandales de corruption qui ont éclaté dans les années 90, avec les procédures de loi Sapin, avec tout un ensemble de textes qui sont venus un peu encadrer la gestion de l'eau. Néanmoins, l'objectif à l'échelon européen, c'est ce qu'on appelle une modernisation des services d'eau. Donc c'est un cadre libéral, finalement, qui s'applique à la gestion de l'eau, qui promeut un recours croissant au marché, mais également une prise en compte des contraintes environnementales, et puis une rationalisation de la gestion de l'eau, en essayant d'organiser la gestion de l'eau à des échelles plus larges. Ça rejoint un peu à ce que vous avez dit avec les lois MAPTAM et NOTRe qui ont transféré à l'intercommunalité la gestion de l'eau. L'idée, c'est vraiment de donner une certaine taille et une assise aux services d'eau pour les mettre en concurrence en fait et organiser une sorte de émulation par la compétition entre les services d'eau. À côté de ce cadre finalement qui est très marchand et qui pousse donc à la fois une marchandisation et une marchéisation, c'est-à-dire à la mise en place d'instruments de marché dans la gestion du service d'eau, on a également tout un volet beaucoup environnemental, ça qui a produit de vrais effets, qui incite les collectivités locales donc à une gestion davantage préventive de la ressource en eau et moins curative, et également un ensemble de standards de qualité de l'eau. Voilà, donc ça pour vous dire que le cadre qui s'impose actuellement au service d'eau, donc il promeut une échelle de gestion plus large, il promeut une libéralisation adaptée au cadre du secteur de l'eau. On parle de modernisation parce qu'on ne peut pas libéraliser le secteur de l'eau. C'est prendre, pour prendre un exemple qui vous parlera peut-être un peu, c'est vrai que l'eau, comme par exemple la SNCF, on ne multiplie pas les canalisations à l'échelle d'une seule commune, comme on ne construit pas deux réseaux de rail pour relier de Grenoble à Lyon, parce que ça coûterait bien trop cher en investissement. Donc, on cherche à, on va dire, créer de la concurrence en séparant finalement l'ensemble du service de l'eau en plein de petits bouts distincts sur lesquels on va pouvoir faire appel à des entreprises privées. Voilà pour ce cadrage général. Et après, pour en venir, mais je pense que Jacques parlera un peu plus de Grenoble, mais c'est vrai que du coup, ça, c'est les enjeux du cadre réglementaire. Ensuite, si on se replace à l'échelle
du service de l'eau. C'est vrai que ce cadre réglementaire, du coup, joue beaucoup sur les types de solutions qui pourront être promues par les collectivités. Mais il y a également différents enjeux qui se posent. Donc, d'un point de vue économique, c'est celui du renouvellement du patrimoine des installations. En effet, les canalisations, un service d'eau, c'est avant tout des infrastructures. Ce sont des canalisations, des infrastructures de production, etc. Et ces différentes canalisations et infrastructures, elles ont été largement subventionnées par l'État lors de leur construction. Aujourd'hui, ce sont les services d'eau qui doivent les renouveler eux-mêmes parce qu'il n'y a plus ces mécanismes de subvention. Et du coup, dans ce cadre-là, ça, c'est un des principaux enjeux économiques qui se pose cette fois-ci à l'échelle du service de l'eau et auquel on peut coupler finalement le cadre réglementaire qui pousse à une prise en charge complète des coûts dans la facture de l'usager, c'est-à-dire interdiction de subvention, par exemple, de la commune vers le service de l'eau. Donc tous les coûts sont inclus progressivement à la facture de l'usager, donc ce qui induit et a pour conséquence une augmentation finalement forte des prix de l'eau actuellement. Ça, c'est un des premiers enjeux qui se pose pour l'ensemble des communes en France, c'est de savoir comment on peut mieux maîtriser ce prix de l'eau face à ces augmentations du prix. Après, il y a les enjeux environnementaux. Finalement, les enjeux environnementaux, la reconquête de la ressource, des périmètres de protection accrus, comme on les a à Grenoble, ça coûte de l'argent, ce sont des investissements. Tout ça, ça vient également, on va dire, augmenter la tarification de l'eau. Et donc, le troisième enjeu qui se pose, une fois qu'on a dit ça, c'est comment garantir également un accès social à l'eau pour l'ensemble des usagers à l'échelle des différentes communes. Et c'est vrai que, du coup, là, sur ce point, les prix de l'eau deviennent des fois parfois de plus en plus inaccessibles. Mais à Grenoble, justement, il y a eu une réponse qui me semble intéressante qui a été mise en place via le tarif social de l'eau qui fonctionne sous une forme d'automaticité. C'est-à-dire que les usagers n'ont même pas besoin, finalement, de demander une aide. Elle leur est déduite directement dans la facture s'ils se trouvent en difficulté. Voilà, alors c'est des éléments très épars. C'était simplement, j'ai pas eu le temps de faire bien mieux. C'était un peu pour poser le débat. Et ensuite, on pourra éventuellement rediscuter à partir de là de comment maintenant, finalement, que dans une agglomération comme Grenoble, on s'est débarrassé pour un petit temps du privé, comment on peut aller vers passer finalement d'une gestion publique de l'eau à une gestion en bien commun. Et ça, c'est vrai que c'est un autre enjeu qui se pose. Merci pour ce cadrage. Des éléments de contexte qui sont vraiment importants, hein, puisqu'on voit que la législation a fortement évolué tant au niveau national, et puis on a des exemples effectivement qui nous amènent à nous poser la question, comment est-ce qu'on arrive à gérer aujourd'hui un bien commun qui est passé par tant de péripéties. Je propose que nous passions la parole à Jacques Cheng, qui est ancien directeur de la régie des eaux de Grenoble, qui était en fonction au moment où c'était encore une SEM, en 1997, redevenue régie en 2001, et qui a accompagné donc une transformation très importante pour la gestion de l'eau et la ville de Grenoble. Vous avez aussi participé à la création de France Eau Publique, qui démontre bien aujourd'hui que les acteurs publics au niveau national ont la volonté de cette reprise en main et finalement aujourd'hui de la façon dont on doit se projeter dans la gestion de ce bien commun. Oui, et aussi donc de Aqua Publica Europea, qui rassemble au niveau européen un certain nombre de grands opérateurs publics des divers pays d'Europe. Voilà. Donc ça a été mené de concert avec Hauts-de-Paris, notamment. Moi, je vais parler surtout, donner d'abord des éléments de contexte, des éléments de langage pour recadrer un peu un certain nombre de notions qui peuvent paraître assez banales, mais qui ont une importance assez conséquente. Après, je parlerai de l'eau en tant qu'enjeu de société, enjeu économique, enjeu environnemental, et aussi de l'impact de la loi NOTRe. Aujourd'hui, je suis amené à intervenir notamment dans un certain
certain nombre de collectivités, y compris au niveau du Grand Paris. Et dans, on s'aperçoit alors que dans ces contextes-là, la question de la volonté politique, comme à Grenoble, est le fondement, je dirais, originel d'un changement réel. Mais cet accompagnement politique doit être fait par les citoyens. Et donc, il y a un rôle essentiel des citoyens aussi à jouer. Donc, au niveau du contexte, d'abord, j'ai l'impression, moi, je trouve que le contexte de l'eau, c'est la démonstration même que c'est quelque chose de complexe parce qu'on fait beaucoup de déclarations et souvent, on fait un pas en avant, on fait un pas en arrière ou on fait du surplace. Par exemple, l'accord de Paris signé par pratiquement 200 pays dans le cadre de la COP21, ben, depuis, en 2015, on voit que depuis, il y a eu la COP22, 23, 24, et puis on a des difficultés à en sortir. La COP25 devait être réunie par le Brésil, aujourd'hui c'est le Chili qui va le porter parce qu'il y a certains clans des climato-sceptiques qui commencent à apparaître. Et puis, concrètement, au niveau européen, au niveau européen, les masses d'eau qui, pareil, devaient être la directive cadre européenne, sa vocation, c'est qu'on atteigne toutes les masses d'eau atteignent 100% du bon état écologique en 2015. Aujourd'hui, on est à peu près à 40%. Et il y a 3 ans, on était à 42%. Donc il y a un déclin même. Vous voyez, au niveau national, attendez, ça correspond pas à ce que je veux. Voilà, au niveau national, on a mis en place la loi NOTRe. Enfin, elle a été votée. On a commencé, bien sûr, avec ce qui était le plus facile. On a bien réduit le nombre de régions. On a un certain nombre de structures. On voulait vraiment réduire le millefeuille. Mais aujourd'hui, on devait mettre en place une nouvelle organisation le 1er janvier 2020. Aujourd'hui, il y a des procédures, des processus qui permettent de dire, bon, bah, 2020, ça sera peut-être 2026, parce qu'il y a un certain nombre de collectivités qui sont très réticentes. Au niveau local... Pourquoi ça avance, ça, ce truc bizarre. Au niveau local... C'est pareil, il y a des choses qui étaient très bien. C'est par exemple, tout à l'heure, la première table ronde a évoqué ces conflits d'usage et cette complexité à concilier l'usage des ressources et les différents acteurs qui ont tous des enjeux différents. Il y en a, c'est le tourisme, il y en a, c'est la production industrielle, il y en a, c'est tout simplement l'alimentation en eau potable, il y en a, c'est la santé publique, etc. Et... pour ça, ben, il y a, au niveau de Rhône-Alpes, Méditerranée, Corse, on a un SDAGE, un schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau. Et ce SDAGE qui est décliné en parcelles plus étroites, qui sont des SAGE, mais en fait, on s'aperçoit que tout le territoire n'est pas couvert par les SAGE. Et il y a des trous, et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, je dirais, l'intention du législateur est bonne, est saine, mais sur le terrain, on a vraiment des difficultés. Les SDCI, le schéma départemental de coopération intercommunale et la note socle, la stratégie d'organisation de la compétence locale de l'eau qui doit être rédigée par les services de l'État sur la base de propositions des élus, ben, dans beaucoup de départements, elle n'existe pas. La tarification sociale, quelle signification est là, cette tarification sociale, quand on sait qu'il y a 26 000 autorités organisatrices, c'est-à-dire décideurs, qui chacune décide de son prix de l'eau. Donc il y a 26 000 prix de l'eau différents. Je ne sais plus qui me parlait tout à l'heure, voilà, un élu qui me disait, ah ben moi, dans ma région, l'eau, elle est à tel prix. Et c'était 15 fois plus cher que l'eau qu'on paye à Grenoble, quoi. Donc... la tarification sociale à Grenoble et la tarification sociale en Bretagne ou dans un village des Alpes, enfin bon, je veux dire, c'est tout à fait... qu'est-ce que ça signifie? Alors que, par ailleurs, la personne qui est en situation de pauvreté en Bretagne ou ici ou ailleurs, elle, pour toutes ses familles, le RSA elle-même, le SMIC elle-même, etc. Quoi. Tandis que le prix de l'eau...
Comment voulez-vous réglementer 26 000 prix différents ? Bon. Alors, quels sont les éléments, dans les éléments de langage, les acteurs ? Les acteurs, c'est, principaux acteurs, d'abord, la gouvernance, c'est l'autorité organisatrice. L'autorité organisatrice, c'est celui qui détient la compétence eau par la loi et qui est porté par un élu, le maire en général. Et dans ce cadre, il ne faut pas oublier qu'il y a des compétences et des pouvoirs qui ne sont pas transférables, qui ne sont pas délégables. Parce qu'il y a beaucoup d'élus qui disent « Ouh là là, l'eau, c'est quelque chose de compliqué. Moi, je vais m'en remettre à des spécialistes. » Et il a tendance à faire une délégation de service public en disant « Comme ça, je suis tranquille. » En plus, il est soutenu par ses services, l'élu, parce que ses services se disent effectivement « Le maire a raison, c'est compliqué. Gérer un service, ça va être la croix et la bannière. » Et en plus, on n'a pas forcément la technicité de Veolia ou de Suez ou de Sor. En réalité, si on n'a pas la technicité pour gérer et savoir ce qu'on délègue, ça veut dire qu'on ne l'aura pas non plus pour contrôler ce qu'on délègue. Donc, je veux dire, on est un peu ramené au problème précédent et c'est quand même un paradoxe que cette complexité fasse peur. Or, cette complexité fait d'autant plus peur qu'aujourd'hui, avec la mise en place de la loi NOTRe, il y a un certain nombre d'autorités organisatrices qui se retrouvent avec cette compétence, alors que cette compétence était exercée par plusieurs petites communes de leur territoire. Aujourd'hui, elles sont, en tant que PCI, détentrices de ce pouvoir, et elles n'ont pas d'équipe de techniciens, de fonctionnaires territoriaux qui ont la compétence, le savoir, ni la connaissance du terrain. Et c'est vrai que c'est d'autant plus compliqué que l'eau, elle est très liée, comme chaque personne physique, eh bien, elle est liée à un territoire et elle est liée aussi à la vie des sources qu'il y a sur ce territoire, à la vie du réseau qui est vivant, comme sur un homme. Il y a des fuites, il y a des mécanismes d'ouvrage que certains élus connaissent et quand ils passent la main et qu'il y a des fuites, etc., ben, on s'aperçoit qu'il n'y a plus personne qui sait comment ça marche. Les bouches à clé, quand il y a une fuite, ben, il faut savoir où elles se trouvent. Bon, si on n'est pas du coin, ben, les emplois dans l'eau ne sont pas délocalisables. Quoi. Je veux dire, on ne peut pas traiter ça n'importe comment. Pour les contrats, Antoine en a parlé. Pour le prix de l'eau, je voulais quand même juste dire un mot sur le prix de l'eau, parce que dans le prix de l'eau, je veux dire, on ne peut pas parler de prix de l'eau. Bon, j'ai déjà dit qu'il y en avait 26 000, mais le contenu du prix de l'eau, la manière dont il est calculé, normalement, il y a une instruction comptable qui s'appelle la M49 qui définit parfaitement tous les postes qui rentrent dans un prix de l'eau. En réalité, quand moi j'ai eu l'occasion de faire un certain nombre d'audits, etc., et encore actuellement, bon, et je m'aperçois qu'il y a un peu tout et n'importe quoi. Il y a des rubriques qui sont carrément vides. Alors, je ne vais pas critiquer la Chambre régionale des comptes qui s'occupe souvent plus de l'opportunité des dépenses plutôt que de la régularité des comptes. Et la première des choses à faire, c'est qu'il faudrait qu'un certain nombre de postes comptables soient bien remplis et pas vides. Voilà. En plus, sur le prix, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une référence d'un décret. On prend 120 mètres cubes comme consommation moyenne. En réalité, aujourd'hui, ce 120 mètres cubes est plus guère significatif par rapport à la composition des familles et par rapport à la consommation réelle de ces familles. Bon, alors, ça, j'en ai parlé. Hein. J'ai dit que finalement, l'élu, il y a des choses qu'il ne peut pas déléguer, notamment le périmètre, mais surtout la fonction aujourd'hui, et c'est dénoncé par la Chambre régionale des comptes, par la Cour des comptes aussi, c'est la notion de contrôle. C'est que souvent, beaucoup de collectivités n'exercent pas et le contrôle suffisant, et je parlerai très clairement du rapport qui m'a le plus stupéfié, c'est celui du CEDIF avec Veolia, pour lequel il n'y a absolument aucun contrôle. En 3 ans, les frais de structure ont augmenté de 20%. Et quand le rapporteur, le magistrat, établit ce constat, pardon, il n'y a eu aucune réaction. Voilà. Donc c'est quand même grave. Et le CGEDD rappelle quand même que l'autorité organisatrice, dont c'est le rôle d'exercer ce contrôle, doit exercer ce contrôle quel que soit l'opérateur, qu'il soit public ou qu'il soit privé, que ce soit une régie ou que ce soit un délégataire privé ou une SPL ou n'importe qui.
ces opérateurs doivent être contrôlés. Il ne faut pas confondre cette notion d'autorité organisatrice. On a tendance, quand c'est un de nos services, à dire, si je considère que je suis autorité organisatrice et que j'ai une régie chez moi, que c'est des services internes. En fait, elle doit être contrôlée et sur la base d'un cahier des charges et sur la base d'indicateurs de performance au même titre qu'un délégataire. Donc voilà, c'est quelques notions, ces éléments de langage. Alors, ce que je voulais dire par rapport à l'eau, enjeu de société, oui, alors on est dans un milieu, on a vu, où c'est très compliqué parce que, comme j'ai dit, l'enjeu, c'est un milieu complexe d'abord. Il y a quatre types d'interlocuteurs. Il y a les élus autorités organisatrices, il y a les opérateurs, il y a les usagers. Et puis, il y a les institutions, puisque c'est un milieu très réglementé. Et puis, au milieu de tout ça, il y a, dans une énorme boîte noire, des relations qui s'établissent entre les uns et les autres, moyennant des contrats ou des pactes d'actionnaires, diverses formes, plus ou moins formalisées. Il y a aussi des réseaux d'influence, des lobbying, les médias aussi, qui ont un rôle important. Et je considère moi personnellement que les citoyens ont un rôle fondamental, en tout cas dans l'histoire de Grenoble. Je dirais que tout a pu se faire grâce au départ d'un groupe de citoyens qui a été ensuite suivi par des élus et par une volonté politique, et sans ça, j'en ai l'expérience actuelle, je peux vous dire que c'est très compliqué si on n'a pas derrière soi des politiques motivées qui font ce choix de la gestion directe. Alors, je ne veux pas parler de gestion publique-privée, je parle, moi, de gestion directe et de gestion déléguée, parce que les textes précisent bien que la première décision à prendre par une assemblée délibérante, par une autorité organisatrice qui gère son service, c'est de décider si elle le délègue ou est-ce qu'elle le gère en direct. Alors, dès lors qu'on délègue, ça veut dire qu'il y a un tiers en direct, il n'y a pas de tiers. Et qui dit tiers, dit forcément un surcoût. Les tiers, s'il n'y a pas de tiers, on ne paye pas de surcoût. Voilà. Donc, c'est tout bête quand il y a des études du BIP qui font 150 pages, qui disent que, etc. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas cherché midi à 14 heures. Bon. Alors, ensuite, pourquoi c'est un enjeu de société ? Parce que ça concerne toutes les branches de la société. D'abord, c'est aussi très compliqué parce que le domaine de l'eau, vous voyez, la durée d'un mandat d'un élu, en moyenne, en général, pour un maire, c'est 6 ans. Bon. La durée d'un contrat de DSP, c'était 25 ans, maintenant c'est 8 à 12 ans. La durée d'une canalisation, c'est entre 50 et 100 ans, selon sa nature, etc., son emplacement, comment elle a été posée. Un emprunt, c'est de l'ordre de 30 à 50 ans, 20 à 30 ans. Un compteur, c'est 8 à 15 ans. La ressource, on voit qu'aujourd'hui, on commence à découvrir des problèmes nouveaux parce qu'il y a des ressources dont on croyait qu'elles étaient pérennes. En fait, on connaît très mal les débits et on connaît très mal les périodes d'étiage, etc. On découvre beaucoup de choses. Donc, ces asynchronicités plutôt entre ces périodes font que il peut y avoir des décisions qui sont prises, qui engagent pour des périodes longues, et quand on parle d'une réversibilité contractuelle, en réalité, c'est pas si simple que ça. Au niveau du porte-monnaie de l'usager, elle n'est pas toujours facile à ressentir. Ensuite, justement, parlons-en des payeurs, les abonnés, des usages. Je ne vais pas revenir dessus, mais on a vu que EDF, c'est un usager comme un autre. Les agriculteurs sont aussi des usagers. Les industriels, toute la haute technologie de la vallée du Grésivaudan, pourquoi ils sont implantés ici ? C'est pour la qualité de l'eau, la pureté de l'eau. Mais on voit donc qu'il y a des catégories d'usagers très différentes. Et à cet égard, une réflexion non pas sur une tarification purement sociale, mais une tarification différenciée peut apporter beaucoup de choses, parce que c'est vrai que
un industriel, ceux qui ont une activité commerciale, déjà ils ne payent pas la TVA par rapport à un abonné classique, par rapport à une famille. En plus, ils peuvent la déduire de leurs impôts, puisque ils sont imposés que sur le bénéfice, et ainsi de suite. Ils ne payent qu'un tiers du 33% du prix du mètre cube, alors que finalement, ils ont, pour le même prix qu'une famille, trois fois plus d'eau, finalement. Donc, ça permet de réfléchir. Acteurs de l'eau, les acteurs de l'eau, les majors jouent beaucoup là-dessus, sur le fait qu'ils font travailler des populations. Mais donc, ils disent, attention, si vous m'enlevez la DSP, moi, il va y avoir du chômage. L'emploi, il va en prendre un coup. En fait, l'emploi, il ne va pas du tout en prendre un coup, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les jobs, ils sont pas délocalisables. Et en plus, le Code du travail prévoit que le personnel est attaché à un contrat. Et quand il y a un changement, par exemple, entre Veolia et Suez, le personnel suit. Un jour, il a un bulletin de paye Veolia, le lendemain, il a un bulletin de paye Suez, mais il fait le même boulot, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est des faux arguments, mais ils sont couramment énoncés et ils portent, malheureusement. Au niveau des enjeux économiques, il faut quand même savoir que le plus gros problème, il a été cité, mais pour donner un chiffre, c'est quand même 200 milliards d'euros. 200 milliards d'euros, c'est à peu près la valeur estimée par l'ASTE, l'Association scientifique et technique pour l'eau et l'environnement, de l'ensemble des canalisations pour l'eau et l'assainissement. 200 milliards à un rythme de renouvellement aujourd'hui qu'on estime à 170 ans, alors qu'il devrait être à peu près de 100 ans. Ça veut dire que depuis la dernière guerre, on a accumulé un retard énorme et que plus on avance dans le temps, plus les besoins vont être croissants. Donc il y a un premier problème à ce niveau-là. Le deuxième problème, c'est que le prix de l'eau, il paye quoi ? Tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait du petit cycle de l'eau et du grand cycle. Et l'État, dans sa grande sagesse ou dans sa grande fourberie, a transformé l'appellation Office national de l'eau et des milieux aquatiques, l'ONEMA, qui est un peu l'instance, la matière grise de l'ensemble des agences de l'eau et le bras séculier du ministère, du gouvernement, en agence française de la biodiversité. Ce qui permet tout simplement de transférer toutes les dépenses qui étaient inscrites sur le budget de l'État consacrées à la biodiversité et à la chasse, oui, sur la facture de l'abonné. Donc l'État a fait des économies énormes sur son budget. Par contre, l'usager, c'était des dépenses qui étaient prises dans le cadre de l'impôt par le contribuable. Bah, aujourd'hui, elles sont payées par l'usager de l'eau. De toute façon, voilà, le pigeon, c'est toujours celui qui se retrouve avec le porte-monnaie dans la main. Bon. Donc, pour avancer sur le volet environnemental, ça a déjà été dit. Et je voulais quand même réinsister là-dessus, c'est dire qu'aujourd'hui, il y a quand même, avec le changement climatique, des phénomènes quantitatifs nouveaux d'assèchement de cours, donc de concurrence entre les usages, de partage donc de la ressource, les phénomènes d'urbanisation aussi croissante qui peut provoquer en aval des zones inondables. Bon, est-ce qu'il faut créer une taxe verte pour une meilleure utilisation de l'eau et réduire les pressions sur le milieu naturel ? Cette tarification environnementale, c'est pas sûr qu'elle soit compatible avec une tarification sociale, à l'inverse. Donc, vous voyez, cette question de tarification conduit à réfléchir sur le modèle actuel économique de l'eau, dont on peut se dire qu'il a atteint ses limites et qu'aujourd'hui, il faut revoir les choses parce que ce modèle, il va vers une augmentation mécanique inéluctable du prix de l'eau colossale. Pour deux raisons. D'abord, à cause du retard pris sur l'entretien du patrimoine, je vous rappelle les 200 milliards que j'ai cités tout à l'heure, et deuxièmement, sur l'effet ciseau qui fait que les dépenses augmentant d'année en année, mais les consommations baissant, en moyenne de 1% par an, eh bien, on a, pour rééquilibrer le fonctionnement du service, une obligation
d'augmenter le prix de l'eau. Donc, en conservant ce système, on s'aperçoit que rapidement, surtout avec le poids que va prendre le renouvellement, les populations les plus démunies vont avoir des gros problèmes, et nous aussi, enfin tout le monde, aussi bien physique que pour l'entretien de notre patrimoine, que pour avoir accès à l'eau. Donc aujourd'hui, moi j'émettrai tout à l'heure deux idées. Et alors, la loi NOTRe, est-ce que dans ce cadre-là, c'est une opportunité ou est-ce que c'est au contraire un risque? Alors, la loi NOTRe, la première des choses, c'est le changement d'échelle des territoires. Hein, on a bien compris, on a dit, on va passer de petites entités, des communes, des mairies qui ont jusqu'à 50, 60, 300 habitants. Aujourd'hui, le législateur souhaite qu'il y ait des entités minimum de 5000 habitants et plutôt 15000 qui gèrent ces services d'eau. D'autre part, aujourd'hui, cette loi NOTRe, c'est une formidable opportunité pour faire de la vraie mutualisation, pour que certains territoires soient mieux entretenus au niveau de la gestion de leur réseau, etc., et qu'on ait une meilleure connaissance et qu'on utilise mieux les compétences, qu'on amortisse mieux les matériels, etc. En réalité, il y a aussi un autre, il y a à contrario un risque. Il y a plusieurs risques. Il y a deux risques qui sont, premièrement, que quand, je le disais tout à l'heure, une autorité organisatrice se retrouve à gérer des territoires comme ça qu'elle ne connaît pas, soit il y a le risque de la délégation de services publics, donc de payer un tiers au lieu de gérer en direct, donc surcoût, soit de mettre en place dans ses propres services une structure de coordination, donc un risque de suradministration. À cet égard, ça serait intéressant de faire un audit de avant et après. Avant la métropolisation et après la métropolisation, combien on avait tout simplement, par exemple, d'agents qui géraient le service d'eau avant la loi MAPTAM, et puis après, combien il y en a, et puis comment a évolué le prix. Voilà, bon, c'est ce genre de choses, en général, on le fait jamais. Bon, c'est pas grave, hein, mais voilà, le service public, normalement, c'est pas ça, quoi. Donc, la loi NOTRe, c'est aussi une réduction très conséquente du nombre d'autorités organisatrices. Le législateur a mis en place la loi NOTRe pour réduire le millefeuille et pour réduire par 10 le nombre de signataires des bons de commande pour faire une intervention sur un collecteur qui déborde, sur une fuite d'eau, sur etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, moi j'habite La Tronche, que le maire de La Tronche qui a par exemple une fuite devant sa mairie, ça déborde, et ben il ne peut pas demander à une entreprise de venir intervenir. Il faut qu'il s'adresse à la métro. Et donc le citoyen moyen, tronchois moyen, il ne peut plus s'adresser au maire. Donc il y a un éloignement du citoyen par rapport aux responsables d'autorité organisatrice. Et ça, c'est un risque aussi, parce que du coup, la qualité du service public, elle est au niveau, je dirais, de celui qui est sur le terrain, elle peut être ressentie comme une distanciation. Voilà. Et le service public peut s'en ressentir derrière. Surtout si, en plus, on a voulu faire de la mutualisation, je dirais, un peu sévère, et qu'on a dit, bon, ben voilà, toi, tu t'occuperas du territoire d'à côté, toi, tu prendras les deux autres territoires, etc. En fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut connaître l'endroit physiquement, que la bouche à clé, elle est là, que le compteur, il est derrière tel poteau, etc., et ainsi de suite, et que la délocalisation, elle n'est pas si simple. Voilà. Donc, tout ça pour dire que... il y a deux choses dans la loi NOTRe, c'est à la fois une formidable opportunité et à la fois un risque énorme parce que le secteur de l'eau nécessite une connaissance physique du réseau, mais une connaissance aussi personnelle des abonnés, des familles, quand il s'agit de traiter des impayés, etc. Quand on est à un certain niveau, c'est très bien que les règles s'appliquent de manière aveugle, alors qu'auparavant, on sait que c'est telle famille, on va s'arranger, etc. Les problèmes sur le plan humain et social ne se règlent pas de la même manière. Donc, par rapport à tout ça, finalement,
Bon, il y a cette histoire d'augmentation inéluctable du prix de l'eau à cause du retard et de l'entretien sur le patrimoine et de la baisse annuelle des consommations. Et moi, et puis des délégations de services publics, et je voulais profiter de notre intervention ici pour faire part de deux idées qui sont peut-être farfelues. Voilà. La première, c'est de dire le modèle économique de l'eau, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il est dépassé. Pourquoi est-ce que on parle de droit au toit, de droit au logement, avec deux secteurs, un secteur pour les gens qui sont en difficulté, des bailleurs sociaux dans le secteur HLM, et puis la promotion privée classique, enfin voilà, un marché, je dirais, entre guillemets, plus standard et plus relevant plus de du marché concurrentiel. Pourquoi est-ce que dans le domaine de l'eau, on n'aurait pas un droit à l'eau qui soit réglementé pour les familles qui sont en difficulté et non pas pour les industriels, pour le tourisme, etc., qui, eux, peuvent avoir des moyens d'équilibrer différemment leurs ressources et pour lesquels l'eau ne présente pas le même caractère vital que pour les familles qui en ont besoin. Voilà. Donc, je pense que cette possibilité de réglementation au niveau national, on a les outils institutionnels qu'il faut avec les agences de bassin. Simplement, il faut aussi la volonté de vouloir harmoniser non pas les prix au niveau de chaque EPCI, mais au niveau de chaque bassin, et puis d'imposer une nouvelle réglementation qui soit complètement différente, y compris pour les délégataires de services publics, avec peut-être de nouvelles méthodes de comptabilisation qui permettent une transparence vraiment totale des charges réelles affectées au contrat d'eau quand il s'agit de distribution publique. Ça serait un modèle nouveau. Le deuxième, je terminerai là-dessus, c'est de dire il faut aussi une gouvernance qui soit innovante, parce que finalement, on s'aperçoit dans cette histoire que dans la négociation pour les décisions qui sont prises dans le secteur de l'eau, ce sont qui ? Autour de la table, on a les élus, l'autorité organisatrice, on a les professionnels, les entreprises ou les services techniques, donc d'ailleurs souvent entre élus et techniciens, des fois on peut se poser la question de savoir qui décide. Et troisièmement, on a des experts un peu de toute nature, et puis les institutions, voilà. La police de l'eau, le législatif, et puis au niveau économique, le trésorier, etc. Et finalement, il y en a un seul qui paye tout ça, c'est l'usager, et il n'est pas autour de la table. Il décide rien du tout. L'usager, on lui dit, ah ben écoutez, ici vous exprimerez en commission consultative des services publics locaux, en CCSPL, vous nous donnerez votre avis. D'ailleurs, votre avis, bon, ça dépend qui est à la gouvernance, mais bon, c'est un avis qu'on enregistre. Point final. Pourquoi ne pas redonner toute sa place aux citoyens avec des comités qui ne soient pas consultatifs, mais co-constructifs du prix de l'eau et du service global de l'eau, et qui décide des investissements, des priorités, de la politique de l'eau au niveau local. Voilà, c'est juste des idées comme ça. Merci. Merci pour cet exposé et ces idées. Et je me tourne vers Marc Lémé, où effectivement on a parlé, finalement on parle transition depuis le début de la soirée. Et là, effectivement, dans le modèle de gestion, donc l'implication des citoyens, et dans finalement comment est-ce que l'on doit demain arriver à accompagner ce changement et la préservation de cette ressource rare. Ça veut dire que finalement qu'il faut qu'on invente un modèle différent qui s'inscrit dans cette logique de transition de manière générale. Alors, vous dire d'abord que si on considère sous un angle sociologique le monde de l'eau, parce qu'il existe un véritable monde de l'eau, est violemment frappé d'archaïsme. C'est un monde dur, violent. C'est un monde porteur d'enjeux colossaux qui touche à tous les compartiments de notre environnement et notre vie quotidienne. C'est un monde en termes professionnels qui représente des centaines de milliers de personnes en France aujourd'hui. Et alors, on vous en donne malheureusement un exemple ce soir. Monsieur le maire, vous avez voulu faire de Grenoble la capitale de la transition. Comme dans tous les colloques, les séminaires, etc., on a à la tribune des vieux mâles blancs. J'ai pas dit white, chauvinistes, etc. Mais bon,
Il y a des milliers de colloques tous les quatre matins aux quatre coins de la France. Ce sont toujours des vieux mâles blancs septuagénaires. C'est le monde de l'eau qui est dirigé de cette manière depuis le 19e siècle, avec des pratiques endogamiques absolument extraordinaires. Ça concerne les grands corps de l'État, les entreprises privées, les écoles d'ingénieurs, etc. Vous rentrez dans ce monde-là, je ne joue pas comme ça parce que moi j'y suis entré par effraction. Avant je faisais autre chose, donc j'ai un peu ce regard-là. Mais je vous assure que c'est fascinant à observer. Et d'ailleurs, un grand nombre des problèmes qui arrivent devant nous aujourd'hui sont liés à cette endogamie mortifère. Le monde de l'eau, depuis 50 ans, s'est fait dépasser par l'irruption des problématiques du climat et de la biodiversité, a perdu pied. Et la question de l'eau aujourd'hui n'est plus à l'agenda politique. Je pourrais continuer longtemps. Pour aller plus loin sur la loi NOTRe, etc., il y a d'autres types d'enjeux qui sont devant vous aujourd'hui. Et là, tous les élus qui sont présents, pour compléter ce qu'ont dit mes deux collègues. Au travers de la loi NOTRe, alors, en fait, il y avait, avant, on avait 35 000 services. C'était pas 35 000 services, un service par commune, non. C'était l'héritage d'une construction historique qui trouvait ses fondements au 19e siècle. Et pour comprendre pourquoi il y avait 35 000 services, il faut prendre en compte les différentes étapes techniques de l'eau. L'assainissement, c'est pareil, mais à l'envers. Pour faire de l'eau potable, on va la puiser quelque part, la pomper, on va la potabiliser dans une usine, on va la stocker, on va la transporter, on va la distribuer. Eh bien, les constructions institutionnelles, les arrangements historiques à partir du 19e siècle ont fait que selon le territoire donné, selon les décisions des acteurs, ben ici, on a un seul de ces tronçons qui a pu être un service. Là, on en a deux, là, on en a trois, là, on en avait cinq. Et ça nous a donné un maillage extrêmement complexe, ce qui fait qu'il n'y a pas du tout d'uniformité, d'homogénéité. À travers la loi NOTRe, qui est quelque chose d'extrêmement violent, qui participe, a priori, d'une forme de rationalisation. Le discours, c'est de dire, on avait plein de petits services éclatés, nanana, parfois en régie, dont le prix de l'eau était trop bas parce que le maire voulait pas d'ennuis, etc., etc., hein, je le dis, même si je défends la régie. Bon, il faut rationaliser tout ça. On passe à l'échelon supérieur. Mais alors, non seulement les collectivités aujourd'hui sont confrontées à des enjeux considérables, parce que vous héritez d'une situation où vous aviez des bons élèves, vous avez des mauvais élèves, il y en a qui sont endettés, il y en a qui ne sont pas endettés. Alors je vous raconte pas, et nous montre compte à OK Coral, au sein de la CLEC, de ceux qui connaissent, la commission locale, les emprunts, etc. Bon, il faut harmoniser tout ça, il faut se projeter dans l'avenir, il faut construire des services parfois ex nihilo. Et alors je vous raconte pas, là aussi, règlement de compte à OK Coral, je prends une collectivité que je citerai pas, où c'était délégué l'eau et l'assainissement, on s'en occupait pas. Donc, qui étaient les mal alpha dans les services? Ben, c'était la voirie et c'était l'urbanisme. Et je vous assure qu'il y en a qui voient pas du tout d'un bon œil arriver l'éventualité de construire un service eau assainissement dont, compte tenu les enjeux financiers, ben, les mal alpha, ils vont passer au deuxième rang. Donc ça, c'est, ça a l'air de rien, mais ça prend en considération aussi. Plus sérieusement, en même temps que la loi NOTRe, en même temps que ce transfert de compétences collectives, massif, à des EPCI qui n'avaient rien demandé, avec donc tous les problèmes que ça leur pose de construction de services, se projeter, etc., embaucher des gens, acheter du matériel. Ce qui fait que, paradoxalement, ce qui nous avait été vendu, la rationalisation, comme des moindres coûts, non, ça va coûter plus cher dans les premières années. Alors aujourd'hui, vous savez que dans les collectivités, l'argent est cher. Bon, mais ce qu'il ne faudrait pas perdre de vue, et ce qui nous amène peut-être à reconsidérer aussi la façon dont, historiquement, les élus, les collectivités, les usagers que nous sommes, ont appréhendé l'eau, l'assainissement. Pendant très longtemps, sans qu'on s'en rende compte, on ne s'est préoccupé finalement que de l'eau potable et de l'assainissement. Mais à travers la GEMAP, à travers la loi NOTRe, et en même temps, pour des raisons, disons, pas toujours, comment dire, en fait, un certain nombre de hauts fonctionnaires qui étaient en charge pendant des décennies des problématiques d'inondation, de la gestion dans le milieu naturel, en avaient marre de se faire pointer parce que le boulot n'est pas fait correctement, on se fait condamner par l'Europe, et ont saisi l'occasion, sous Hollande, de la loi NOTRe, de créer, alors quelque chose dont vous entendrez parler pour les siècles ou des siècles, qui s'appelle la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. C'est-à-dire que les hauts fonctionnaires en question, trop contents de se débarrasser du sac de nœuds, on le refile aux collectivités locales qui n'avaient rien demandé sans leur donner les financements nécessaires. Donc, ce qui s'ajoute aujourd'hui en charge pour les EPCI et ce qui change totalement le périmètre d'appréhension
par une collectivité, ce n'est plus seulement le petit cycle de l'eau. C'est l'eau assainissement classique, c'est la gestion de l'eau dans le milieu aquatique, c'est la prévention des inondations. Accessoirement, le petit coup de bonneteau au passage, l'État qui a très mal géré 10 000 km de digues qui sont dans un état lamentable, a refilé le bébé aux collectivités locales. Sous, au début, c'était dans 10 ans, non, maintenant c'est tout de suite. Et il faut aussi appréhender tout ça. Tout ça pour vous dire que... Eu égard à ce que je vous disais tout à l'heure, donc je considère que ce monde est empreint d'un archaïsme extraordinaire. Avec toutes ces nouvelles charges imparties aux collectivités locales qui n'en peuvent mais, il va falloir, et il faut déjà, déployer des efforts absolument considérables pour promouvoir des politiques innovantes. Si vous voulez améliorer un service, revenir en régie publique par exemple, mais c'est, tout le monde vous dira qu'il ne faut pas le faire. Mais tout le monde! L'agence de l'eau, la DDT, non, vous ne pourrez pas, vous n'arriverez pas, on vous dira toujours que ce n'est pas possible. Si vous voulez promouvoir des politiques davantage respectueuses d'environnement, on vous dira aussi que ce n'est pas possible. Donc, bien mesurer aujourd'hui que la nature même des enjeux a radicalement changé, ce qui engage une mobilisation beaucoup plus importante que par le passé. Et si on ne prend pas en compte l'ensemble, tout l'éventail de ces nouvelles compétences, eh bien, on va y payer le prix dans pas longtemps. Je voyais tout à l'heure notre camarade sénateur, avec qui je me suis entretenu il n'y a pas longtemps au Sénat, justement, de ce qui se passe aujourd'hui. Je ne vais pas, parce que vous direz sûrement Cassandre, les mauvaises nouvelles, tout ça, mais là, ce qui est en train de se passer parallèlement, ça avait commencé sous le précédent quinquennat, ça s'accélère sous celui-ci. L'État, pour de fort mauvaises raisons, commence à mettre à mal tous les instruments de la gestion de l'eau dont la France s'est dotée depuis 1964. Attaque massive contre les agences de l'eau, prélèvement de 500 millions d'euros. Mais c'est inimaginable. Désormais, effectivement, avec la facture d'eau, on va financer les chasseurs. Parce que M. Macron a besoin des chasseurs pour l'élection, nanana, etc. Bon. Mais ce qui est en train de se passer, compartiment par compartiment, quand on examine... Alors certes, il y avait des choses qui étaient critiquables. Les agences de l'eau étaient, par exemple, critiquables. Mais là, je terminerai là-dessus pour ne pas être trop long. Auparavant, dans le fonctionnement des agences de l'eau, donc créées en 64, qui ont évolué, etc., pendant longtemps, on pouvait rire un peu parce qu'ils se dotaient de plans quinquennaux. C'est une référence assez amusante. Bon, désormais, ils se dotent de plans d'intervention sur 5 ans. Chaque année, les agences de l'eau recevaient 2,5 milliards de redevances perçues sur nos factures. Les redistribuaient à ce qu'on appelle les acteurs de l'eau, les collectivités locales pour mener à bien des travaux, les industriels, les agriculteurs pour améliorer leurs process et moins polluer le milieu naturel. Tout ça a été encadré. Il y avait des règles. Et en termes, si vous voulez, la cagnotte que ça représentait, pour vous faire très simple, hein, il y avait trois grandes boîtes. Il y avait une première boîte dans laquelle on avait les dépenses de fonctionnement des agences, payer les personnels, faire de ce qu'on appelle la connaissance, etc. Vous aviez une deuxième boîte qui était impartie aux collectivités locales, et vous aviez une troisième boîte qui était le grand cycle de l'eau, la préservation dans le milieu naturel, etc. De fil en aiguille, et ça s'est accéléré malheureusement considérablement depuis 2 ans, tout ce système-là est tombé à l'eau. Il y a une semaine, la direction de l'eau du ministère de l'écologie a élaboré une note, évidemment ça ne passe pas au Parlement, on ne consulte pas la présentation nationale, où on chamboule complètement ce système. Ce système ancien, les trois boîtes là, fonctionnait au titre d'une formule, je m'excuse un peu absconce, mais qui s'appelle la fongibilité asymétrique, qui provient de la loi LOLF de 2001. Ça voulait dire que dans ma première boîte, les dépenses de fonctionnement, des agences, etc. Il me reste de l'argent à la fin de l'année. Cet argent, je pouvais le passer dans le numéro 2 pour les collectivités locales. Le 2, je pouvais le passer dans le 3 pour le grand cycle, mais je ne pouvais pas faire l'inverse. Eh bien, la note du ministère, datant d'une semaine, a mis... Alors, c'était un encadrement qui faisait qu'au sein des agences et des comités de bassin, vous avez des comités d'engagement, des comités de programmation, il y a un fonctionnement en consensus. Tout ça vient de disparaître. On a fait disparaître la fongibilité asymétrique. Désormais, il y a 4 grandes boîtes, dont quasiment la plus importante devient la biodiversité, les chasseurs, etc. Comme la fongibilité asymétrique disparaît, ceux qui se mettaient en œuvre à travers des programmes par consensus entre les différents acteurs va s'en transformer par une lutte au couteau entre les agriculteurs, entre les industriels et entre les collectivités locales qui sont les plus grandes perdantes de cette affaire. On en verra les conséquences. Elles sont déjà là. Désormais, les agences de l'eau ne financeront plus,
c'est écrit, c'est pas une invention, hein. Tout ce qui relève du réglementaire. Auparavant, quand une collectivité voulait construire une station d'épuration, on montait un projet de financement avec le conseil départemental, avec l'agence de l'eau, avec une part d'autofinancement. Depuis 10 ans, les départements sont partis parce que la loi NOTRe les a privés de leur compétence générale. Il y a 10 ans, les départements finançaient 700 millions d'euros par an pour l'eau et l'assainissement. Ça a joué un rôle absolument majeur dans l'adduction et dans l'assainissement en France. Aujourd'hui, personne n'est capable de dire c'est peut-être 150 millions, ça disparaît. Dans la mesure où les agences de l'eau ne financeront plus tout ce qui est de l'ordre réglementaire, ils ne financent plus la construction des STEP, ils ne financent plus l'ANC, autant de financements supplémentaires qui vont tomber sur les collectivités locales. Donc c'est vous dire que, en plein accord avec ce que Jacques nous disait tout à l'heure, mécaniquement, avec toutes ces décisions qui se prennent avec une rapidité dans une obscurité totale, le montant de la facture d'eau va augmenter mécaniquement. Et un tout dernier petit éclairage sur la route, si j'ose dire, parce que c'est un de mes dadas, la gestion des eaux pluviales. Alors là, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et ça participe des archaïsmes que j'évoquais tout à l'heure. La gestion des eaux pluviales dans les villes est devenue un souci énorme. Ça coûte une fortune. On ne peut pas gérer les eaux et les eaux de ruissellement comme on gère les eaux usées. Jacques le sait parfaitement. L'encadrement réglementaire de la gestion des eaux pluviales a conduit à une situation absolument abracadabrandesque où, en fait, par des détours à la limite de la légalité, c'est la facture d'eau de l'usager qui doit porter une bonne partie, ça dépend des collectivités, ça dépend des arrangements locaux, du montant de la gestion du pluvial. Or, la gestion du pluvial, c'est un service public administratif. Ça devrait être financé par des taxes spécifiques visant au premier chef les aménageurs. Quand quelqu'un construit un supermarché, mais alors ça touche aussi l'État, c'est pour ça que ça bloque de partout. Et aujourd'hui, on est dans la situation absolument invraisemblable où le coût du financement supplémentaire de la gestion pluviale est évalué à l'échelle nationale à 2,5 milliards d'euros par an. Eh bien, cette gestion des eaux pluviales pèse déjà pour partie sur vous sans que vous le sachiez. Donc ça, il ne faut pas l'occulter non plus, et ça va participer de cet accès. Et alors, quand je vous disais les archaïsmes, et j'en arrêterai là, il y a 2 ans, le président de l'ASTE, Pierre-Alain Roche, qui connaît très bien, quelqu'un d'absolument remarquable, l'ASTE, c'est une réunion, c'est une société savante créée au début du siècle, qui ne s'appelait pas comme ça au début, qui regroupe justement tous les ingénieurs du domaine de l'eau, les spécialistes et tout machin. Bon, critiquable, bon, bref. Mais quand même, qui fait un boulot extraordinaire, élaboration des normes et tout. Pierre-Alain Roche, en fin de carrière, CGEDD, cimetière des éléphants et tout, se met en tête, parce qu'il sait que c'est un problème majeur, de faire un rapport du CGEDD sur la gestion des eaux pluviales, en analysant tous les dysfonctionnements et en faisant des propositions. Bon, je suis en contact, il me raconte et tout machin, il remet son rapport au ministère de l'écologie. Le rapport, hop là. Il a fallu, 1 an plus tard, que moi, je saisisse la CADA pour obtenir le rapport, je l'ai publié sur mon blog. Alors c'était très marrant parce que dans la même journée, de Rugy, toute la clique, oui, on publie le rapport et tout. Bon. Mais depuis lors, ils n'ont rien fait. Bon, si vous voulez, quand vous prenez connaissance, évidemment c'est du technique et tout, de ce type de rapport, vous comprenez à quoi on va être confronté. Et donc, pour conclure, un peu dans la tonalité que j'évoquais tout à l'heure, tout ça va demander mais une mobilisation considérable. Et la difficulté, c'est qu'effectivement, on est confronté à des objets techniques, juridiques, financiers absolument colossaux, et il faut impérativement que les collectivités locales qui se voient transférer aujourd'hui des compétences invraisemblables se donnent impérativement le moyen d'y faire face afin de pouvoir conduire des politiques publiques équitables et surtout respectueuses de l'environnement. Je vous remercie de votre attention. Merci à tous les trois. Avant de passer au témoignage du collectif, je propose qu'il y ait peut-être quelques questions et échanges avec les deux tables rondes, en tout cas les deux participants. Est-ce que vous avez des remarques, des interrogations? Il y a un micro qui devrait circuler. Je crois qu'il y a une première remarque là. Oui, bonsoir. Vincent Delage, je suis directeur d'Isère Tourisme. Donc la fameuse personne qui a suivi, initié
l'enquête, la fameuse enquête. Donc je vais rassurer tout de suite monsieur l'aîné qui a un gros problème d'information a priori. Donc l'étude, voilà, l'étude elle est là, voilà. Elle fait 2500 pages. Travail extraordinaire de nos 6 bureaux d'études. Donc, monsieur l'aîné, a priori, aurait pu me passer un petit coup de fil pour avoir quelques précisions. Il ne l'a pas fait, c'est dommage. Donc, comme a précisé tout à l'heure Martin, donc pour diffuser cette étude, on a besoin de l'avis, effectivement, des maires et de leur conseil municipal. Donc, on a déjà plus de la moitié des stations qui nous ont donné un accord favorable. Donc, vous allez effectivement avoir de la lecture dans les semaines à venir. Vous pourrez vous plonger dans cette étude et puis ensuite développer une argumentation à partir de faits scientifiques, pas à partir de délire. Je veux vraiment rendre hommage aux chercheurs qui sont brillants. Là, dans votre article, je trouve que c'était assez déplorable d'insinuer qu'ils aient pu truquer leurs résultats. Donc si... Donc, on ne fait pas d'études. Vous avez dit. Non, vous avez dit que, en tant que... D'accord. Donc on a des chercheurs exceptionnels qui ont fait un travail remarquable. Il faut les saluer. Ils sont sur Grenoble. Et vous faites référence souvent à leurs études dans vos articles. Donc c'est parfait. Et vous les aurez donc dans les jours prochains. Il y a un an, on était dans cette même salle pour fêter les 50 ans des JO à l'invitation de monsieur le maire. C'était un événement magnifique. Et les Grenoblois se sont souvenus de ces JO, de ces sports d'hiver qui ont apporté des décennies de prospérité au territoire. Donc les temps changent, on est en train de réinventer avec l'ensemble des acteurs touristiques le monde de demain. On a fait cette étude, on travaille sur Station du Futur, avec pas mal d'associations qui sont présentes dans cette salle. On travaille avec Freddy sur les refuges, on développe le tourisme d'itinérance, le tourisme d'été. Voilà, donc on fait beaucoup de choses et je suis à votre disposition pour échanger sur tout ça. En tout cas, merci pour cette table ronde. Merci pour ce témoignage. Je pense que l'étude va intéresser effectivement un certain nombre de chercheurs. Je pense que le débat a besoin d'être là et je pense que les témoignages sur les deux tables rondes ont démontré qu'il fallait effectivement qu'on accompagne la façon dont on doit réfléchir à la préservation de la ressource et surtout à sa gestion commune. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Alors, je vous donne tout de suite le micro. Ensuite, moi, je suis Laurent Reynaud, je suis le délégué général pour Domaines Skiables de France. Donc, je représente les entreprises qui opèrent les domaines skiables. Et je dois vous dire que quand je suis venu, je n'étais pas très rassuré. Je me suis dit... et puis en fait, finalement, je suis assez optimiste. Je suis assez optimiste parce que j'ai vu 150 personnes réunies dans une salle qui sont des amoureux de la montagne. Ils ne partagent pas forcément les mêmes opinions, mais je trouve qu'on a bien besoin de partager les mêmes valeurs, à défaut d'avoir les mêmes opinions, puis d'un peu de solidarité par les temps qui courent. J'ai vu des gens tout simplement qui aiment la montagne, qui sont inquiets pour l'eau, qui sont inquiets pour leur planète, et qui sont venus s'informer, y compris de leur temps, pour venir s'informer. Puis j'ai vu sur l'estrade aussi, d'abord un chercheur courageux. Je dois dire qu'il fallait l'être pour venir défendre le travail qui a été fait par lui, par Météo France. J'ai vu aussi Freddy Maignan, pas toujours les mêmes opinions que lui, mais j'ai trouvé qu'il n'avait pas cherché à nous diviser. J'ai trouvé qu'il avait cherché à nous tirer vers le haut et à dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut faire ? Tout ça, ça sert à quoi ? Et puis monsieur Lémé, c'est vrai que vous m'avez un peu déçu parce que je pense que vous vous trompez de colère, vous voulez dénoncer de grands scandales, de grands gaspillages. Il y en a à dénoncer, je vous rassure,
Et s'il faut passer autant de temps sur tous les usages de l'eau qu'on en a passé là pour la neige de culture, bah, va falloir qu'on se revoie, parce que la neige de culture, c'est à peu près 0,1% de l'eau qui tombe sur les bassins versants, donc il va falloir organiser beaucoup de tables rondes comme celle-ci. Je pense que si on veut dénoncer des gaspillages d'eau, on peut parler par exemple de l'eau qui est perdue dans les réseaux. Je suis sûr que l'ancien directeur de la régie des eaux ne me contredira pas. À chaque fois qu'on envoie 4 litres d'eau dans un réseau d'eau potable, eh bien, il y a un litre qui n'arrive jamais au robinet parce qu'il est perdu. Ça, c'est un scandale. On peut parler de l'eau pour les piscines aussi, qui, rien que sur l'appoint, vont consommer plus que toute l'eau qui est utilisée pour la neige de culture en France. Je pense qu'il faut en fait se donner les bons ordres de grandeur pour s'indigner des bonnes choses, ou en tout cas pour s'indigner à due proportion de ce qui se passe. La dernière image que je voudrais vous donner, et vous pourrez le vérifier, à chaque fois qu'il tombe ne serait-ce que 10 cm de neige sur le périmètre d'une station, eh bien il tombe plus d'eau en une seule petite chute de neige qui n'en sera utilisée pendant toute l'année pour la neige de culture dans cette même station. Et donc, voilà, je pense que si on veut s'indigner, et on a besoin, je crois, d'une capacité d'indignation, il ne faut pas tromper les gens, il ne faut pas leur dire qu'il y a des scandales là où il n'y en a pas. Une autre question ou remarque ? Alors, bonsoir, moi je suis une citoyenne lambda qui ne connaissait rien du tout au problème de l'eau, donc j'ai découvert un monde à la fois très complexe et très trouble, il m'a semblé. Et donc, puisqu'on dit que l'eau, c'est notre bien commun, ça me choque quelque part qu'on passe à la marchandisation de l'eau, premièrement. Et secondo, est-ce qu'on pourrait changer complètement de paradigme sur la politique de l'eau ? Après tout, on a bien EDF, on a bien le même kilowattheure partout. Pourquoi il n'y aurait pas une régie nationale de l'eau où tout le monde paierait le même prix ? Et même les industriels et tout le monde. Parce que là, on a l'impression que c'est du patouillage dans tous les sens. Et quand on est un citoyen lambda, c'est très, très effrayant. Une réaction peut-être. En tout cas, l'idée n'était pas d'effrayer, mais plutôt l'idée était de montrer, un, la diversité. Je pense qu'on a parlé de nos montagnes, de l'activité hivernale, mais je pense qu'on a aussi parlé des questions de risque inondation, de l'adduction d'eau, de l'assainissement. On a parlé aussi de l'imperméabilisation en ville, notamment de nos territoires et des conséquences fortes qu'ont eu l'urbanisation et l'aménagement ces 40 dernières années. Et effectivement, c'est d'ailleurs un petit peu ce que Monsieur Cheng a mis en perspective sur la responsabilité que l'on a, que l'on doit avoir, en tout cas que l'on doit porter, que ce soit responsable politique, que ce soit les professionnels, que ce soit les techniciens ou encore vous, les citoyens aussi, de pouvoir accompagner demain la gestion de ce bien commun. Je voudrais juste dire que j'approuve et des deux mains ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il est complètement anormal que tous les Français payent à peu près le même prix de la baguette, le même prix du kilomètre d'autoroute, le même prix de SNCF, le même prix du kilowattheure, et qu'on ait un prix de l'eau qui varie de 1 à 20 selon l'endroit où on habite. Alors, si c'est comme ça, c'est aussi parce qu'il y a des raisons. Moi, il m'a été répondu que c'était indispensable pour des raisons de balance du commerce extérieur qui fait que certaines multinationales apportent pour la vitrine de la France, alors ça apporte aussi à leurs actionnaires, etc. Enfin bon, je pense que c'est une question de volonté politique et jusqu'à présent, si vous avez, voilà, on sait tous que les grands patrons de l'eau sont extrêmement proches des présidents et c'est pour ça aussi que cette nationalisation de l'eau n'a jamais été envisagée, ou du moins la rendre vraiment publique et abordable pour tous. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut y aller, il y a urgence. Pardon. Peut-être sur la question des fuites d'eau dans les réseaux, monsieur. Effectivement, il y a une situation assez disparate. Récemment, les entreprises de l'eau ont procédé à un lobbying assez important pour mettre en place des assises de l'eau en mettant l'accent sur le taux excessif de fuite dans les réseaux. La réalité, c'est que
dans les 60% de foyers français desservis par les entreprises privées depuis 50 ans, dès la signature du contrat, on prélève de l'argent qui est normalement destiné à renouveler les réseaux. Alors là, il y a eu une faillite totale du législateur jusqu'en 1995, ce qui s'appelle des provisions pour renouvellement. Quand elles n'étaient pas consommées à l'issue du contrat, elles tombaient tout simplement dans la poche de l'entreprise. Et c'est ce qui a contribué à ce que les renouvellements ne soient pas effectués à la cadence normale et que, effectivement, dans certains services, on ait une situation absolument déplorable. Ce dont, d'ailleurs, se plaignent, c'est assez amusant, parce que j'entretiens quand même aussi des relations avec ces entreprises, quoi que j'en pense par ailleurs, et quand elles héritent d'un contrat qu'elles ont conquis sur l'adversaire, je vous assure que dans certains cas, ils s'arrachent les cheveux parce qu'ils héritent d'une situation qui n'est pas du tout de leur fait et ils vont devoir, eux, investir pour rétablir ce qu'aurait dû être fait auparavant. Alors là aussi, monsieur, qu'on parle des piscines, qu'on parle d'autre chose, quand on parle de quelque chose, il faut être précis. Merci. Alors, le temps avance vraiment et j'aimerais quand même qu'on finisse sur une note. Oh, si c'est, très bien. On ne va pas parler de neige de culture. Parce que je pense que ce serait dommage de limiter le débat à cela. Excusez-moi, j'ai entendu M. Lémé dire que tous les compartiments du domaine de l'eau étaient menacés. Je voulais simplement porter à votre connaissance ce soir un compartiment qui n'est peut-être pas évident pour tout le monde. C'est le compartiment des barrages hydroélectriques dont on voit bien le danger de la mise en concurrence pour l'électricité puisqu'ils sont le poumon du système électrique. On voit aussi facilement le danger de ces murs de béton qui stockent des millions de mètres cubes d'eau et donc pour la sûreté des populations qui habitent à Laval. Mais il y a un troisième domaine que vous intuitez peut-être moins, c'est précisément ce domaine de l'eau. Les barrages d'EDF stockent en France 75% des réserves d'eau potable de surface. Et avec la catastrophe, je suis syndicaliste Sud Énergie à EDF. On a fait un grand travail de récupération d'arguments d'une centaine d'experts de ce domaine et d'une vingtaine d'anciens cadres dirigeants. Sur n'importe quel modèle de recherche Internet, vous tapez Sud Énergie, vous verrez en haut à droite de notre site public, monsieur Lémé, toute la parole de ces experts et de ces sachants. Je voulais simplement vous dire une toute petite chose pour vous montrer que ça sera la clé de la transition énergétique. Avant-hier, la mairie de Grenoble nous a permis, en invitant le Premier ministre du Japon, M. Naoto Kan, qui était à la manœuvre au moment du tsunami qui a créé la catastrophe de Fukushima. La transition énergétique, il faut effectivement quitter les énergies fossiles, mais il va falloir aussi se débarrasser du nucléaire. Et pour que le solaire et l'éolien puissent remplacer le nucléaire, les barrages vont être la clé de cette transition. Par rapport à l'eau, la catastrophe climatique en cours emmène la France, en tout cas la moitié sud-est de la France où 99% de l'électricité hydroélectrique est produite, au climat de l'Espagne. L'Espagne est en pleine guerre de l'eau et en France nous avons 5 fois moins de réserves d'eau potable que l'Espagne. Privatiser les barrages nécessite des contrats, des cahiers des charges sur plusieurs décennies. Les usages de l'eau, les multi-usages de l'eau vont se tendre, sont contradictoires, et personne aujourd'hui, personne n'est capable d'écrire un cahier des charges pour un exploitant privé de ces barrages à une échelle de 20, 30 ou 40 ans. Ce qui se prépare, parce que depuis 10 ans, tous les hommes politiques et les femmes politiques au niveau national, députés, sénateurs, députés européens, sont contre la mise en concurrence des barrages, sauf ceux qui sont au pouvoir. Monsieur Borloo sous Sarkozy, Monsieur Macron sous Hollande et Monsieur De Rugy sous Macron. Monsieur Lémé, j'ai beaucoup aimé quand vous disiez qu'il va falloir se mobiliser. Alors là-dessus, je peux vous garantir qu'il faut vous mobiliser parce que le jour où les barrages seront partis au privé avec des contrats foireux, on va engorger les tribunaux pour les conflits des usages qu'on n'aura pas prévus dans 20 ou dans 30 ans et on va se priver de la clé de voûte de la réussite de la transition énergétique. J'ai été trop long, je suis désolé. Merci. Merci, c'était effectivement intéressant et ça vient rajouter à ce débat une clé supplémentaire, mais qui est effectivement essentielle. Je voudrais, parce qu'on a cet échange et l'échange, on pourrait effectivement le continuer, mais je propose qu'on le continue ensuite devant la frise et puis ensuite avec cet échange autour d'un verre.
On voulait faire un témoignage d'un collectif qui s'appelle le collectif Ville aux Frais, au travers d'un projet qui s'appelle le projet Oasis de fraîcheur. Et je propose de laisser la parole à deux porteuses de ce projet-là pour pouvoir témoigner aussi des initiatives citoyennes, parce que je pense que c'est des éléments véritablement importants. Merci. Oui, donc nous sommes le collectif Ville aux Frais et lauréate du budget participatif 2018. Et nous représentons donc une implication des citoyens, à la fois avec une force d'idée et une force de vote. Il y a une personne qui n'est pas avec nous, donc nous sommes trois habitantes du secteur 4 et 5 de Grenoble, intéressées par le bien vivre en ville et particulièrement en été, pour tous et dans chaque quartier. Donc Sylvaine Vion, donc qui est du quartier Tesserre des Jeux Olympiques et qui est urbaniste. Je suis Catherine Lorrain du quartier de l'Abbaye Jouot et je suis professeure des écoles. Et est absente donc Gana Moïsenko qui est du quartier Exposition Bajatière et qui est ingénieure hydrotechnique. Ce qui nous a réunis et fait faire donc des constats, c'est que, on le sait, à Grenoble, les étés sont extrêmement chauds, que des incivilités sont provoquées par, entre autres, des explosions d'eau qui ne profitent qu'à certains et gaspillent le bien commun. Je ne parlerai que des bouches d'incendie transformées en fontaines sèches à jets d'eau. Nous avons pu observer tout ça dans nos quartiers. Notre objectif, c'est d'apaiser quand il fait trop chaud dans la ville de Grenoble, le souhait d'un accès équitable à l'eau vive et à la fraîcheur, mettre à disposition des Grenoblois des oasis de fraîcheur, c'est-à-dire associer des espaces ombragés et des points d'eau. Tout ceci nous a amené à une réflexion autour du droit à l'eau pour tous. Faire partager l'idée que l'accès à l'eau et à la fraîcheur doit être vécu comme un privilège raisonné pour tous en cette période de réchauffement climatique. Donc, si on veut déjà rester sur cette idée-là, l'idée du privilège raisonné, c'est de permettre un accès à l'eau, parce qu'à Grenoble, tout le monde ne peut pas aller se mettre au frais en montagne ou partir au bord de mer, etc. Donc, déjà penser aux habitants qui passent l'été en grande partie dans la ville, et raisonner parce que dans notre proposition et après les différents échanges, c'est aussi d'avoir à la fois une approche économe de l'eau. On va l'utiliser, on est au bout du tuyau, hein, par rapport à tout ce qui s'est dit tout à l'heure, mais d'avoir quand même cet accès à l'eau pour le plus grand nombre. Dans notre réflexion, en fait, on a essayé d'avoir une vision un peu macro, en fait, à l'échelle de la ville, des points d'eau, en fait, de fraîcheur qui existent déjà ou qu'on pourrait créer. On s'est appuyé sur toute la démarche qui est faite par la ville de Grenoble depuis déjà quelques années sur les îlots de chaleur et comment, à l'opposé des îlots de chaleur, on pourrait proposer des oasis de fraîcheur. Et donc toutes les taches bleues que vous voyez sur la carte à gauche, ce sont les parcs, les principaux parcs en fait de la ville de Grenoble, qui sont identifiés comme étant ben, forcément des endroits de fraîcheur. Et notre proposition, donc sur la carte de droite, suite à l'instruction avec les services de la ville, on a pu avoir accès à la liste des différentes fontaines qui existent. On a des fontaines, on a des bassins, sachant que pour ces... On n'est pas loin de la ville aux 53 fontaines. Donc, quand on tape fontaine Grenoble sur Internet, on arrive à cette phrase-là, ville aux 53 fontaines. Là, il y en a à peu près ce nombre-là qui est cartographié par les points bleus. Néanmoins, bah, aujourd'hui, on a des situations très différentes pour chacune de ces fontaines-là, qui sont du 19e, mais beaucoup ont été faites aussi au cours du 20e siècle, qui sont soit eau recyclée. Donc là, on est sur un modèle, on va dire, à peu près performant, puisque l'eau n'est pas gaspillée en soi. On a beaucoup de fontaines à eau perdue. Alors, pour le coup, ben, l'eau arrive, mais elle repart, on ne sait pas où elle part. Il y en a un certain nombre qui sont en panne, donc à réparer. D'autres qui sont carrément hors service, parce que, vu les structures, elles sont irréparables.
Et donc le choix qu'on a fait, c'est de travailler sur des fontaines. Alors, là, ce que montre la carte aussi, c'est qu'on a une grande densité plutôt vers le centre-ville, et que dans notre réflexion, c'était comment allier la question des parcs et peut-être d'avoir une meilleure répartition des points d'eau à l'échelle de la ville. On a eu la chance déjà de pouvoir proposer cette idée dans le cadre du budget participatif, d'être présent au forum. Suite au forum, on a été sélectionné. Et après la sélection, on a pu mener notre campagne, instruire donc notre projet avec les services de la ville, donc le consolider en tout cas au niveau d'une enveloppe budgétaire. Donc c'est un projet qui s'élève à 285 000 euros. Donc c'est le gros projet des 6 projets qui ont été retenus à suite au vote. Et sachant que on a pu échanger pas mal avec, on a fait toute la journée vraiment au forum, donc on a beaucoup discuté, échangé avec des habitants. Et ce qui est retenu, enfin, ce qu'on peut en retenir, c'est que effectivement, c'est vraiment de travailler sur la question des espaces déjà végétalisés, c'est-à-dire on met de l'eau là où il y a déjà de l'ombre pour éviter que l'eau parte en vapeur, en quelque sorte. Finalement, on était parti sur des projets peut-être de mixer de la réhabilitation et de la création de nouveaux points d'eau. En travaillant avec les services de la ville, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de fontaines à remettre en eau. Et on a fait le choix de retenir des fontaines qui existent, qu'on va pouvoir remettre en eau et situer dans des parcs. Alors, quand on a dit ludique et accessible à tous, on verra sur les photos, il y a deux fontaines notamment qui sont des fontaines sèches. On appelle sèches parce qu'en fait, tout le système est souterrain et ce sont des plateformes desquelles sortent des jets d'eau, hein, comme on voit à la caserne de Bonne aujourd'hui, et d'autres points de la ville. Dans des parcs et situé aussi à proximité des aires de jeux pour enfants, puisqu'au départ, en fait, Ghana portait un autre projet qui s'appelait Aspergeons nos jeunes pousses. On a toujours eu la cohérence de la fusion de nos deux projets. Et on a pu aussi, au moment du forum, discuter avec des gens qui nous ont dit « Oui, mais dans les parcs, si vous mettez des points d'eau partout, il va y avoir du bruit partout, de la gêne partout. » Donc, de mettre déjà des points d'eau à proximité d'endroits fréquentés, notamment par les enfants. Cette image-là, en fait, elle montre à droite, c'est l'affiche qui nous a permis de faire campagne. Donc, où on a effectivement proposé 3 lieux déjà ciblés aux Grenoblois, au vote. Donc, je le montrerai sur la diapo d'après. Mais pour dire que finalement, dans ce projet qui paraît très cerné, en fait, très localisé, il nous permet quand même de répondre à ce qu'on avait exposé au moment du forum, savoir diversifier les types d'oasis. Donc il y a aussi des aménagements en cours par la ville sur des brumisateurs dans différents espaces et différents parcs de Grenoble. Nous, on propose vraiment d'avoir quelque chose qui est lié à l'eau vive, de l'eau qui bouge, hein, des jets d'eau ou des plans d'eau. On équilibre, même si on a ciblé, on contribue à équilibrer les implantations à l'échelle de la ville. Et après, proposer un accès raisonné à l'eau vive pour se rafraîchir en essayant d'avoir des systèmes économes. On aura aussi la question de l'eau stagnante ou pas par rapport aux moustiques, parce qu'il y a une grosse problématique moustique-tigre. Et après, ce qui a été évoqué aussi avec des habitants au moment du forum, c'est la question de l'usage de la nappe phréatique ou du réseau d'eau potable. Et donc ça, c'est des choses qui sont discutées en ce moment. Donc on vient d'avoir la première réunion avec l'équipe projet, donc service de la ville, etc. Et donc c'est des choses qui sont sur la table et qui vont s'affiner au fur et à mesure. Donc ça c'est les 3 fontaines en fait qu'on a proposées et qui ont été retenues et votées par les Grenoblois. Donc on a essayé aussi d'axer notre choix à la fois sur des quartiers politiques de la ville. Donc moi j'habite sur le quartier Tesserre en fait, hein, et il y a cette fontaine qui est à gauche qui n'est pas en eau, qui a été livrée, qui a très peu fonctionné. Et l'enjeu c'est de la remettre en eau au bénéfice de tous les habitants du quartier. La deuxième fontaine, elle est au square Valérien Perrin, rue de New York. Donc chaque fois sur l'image, on devine à peu près, je sais pas s'il y a quelque chose là, un pointeur, non, il n'y a pas de pointeur. Mais bon, les fontaines en soi, elles sont pas hyper grandes en fait, hein. C'est la bande blanche qu'on voit dans le parc, là-haut, Tesserre, donc c'est le jardin du bassin. On devine une bande blanche dans le prolongement de la barre avec le toit gris clair. Donc c'est un parvis assez restreint en termes d'emprise, mais qui peut avoir un caractère ludique et très accessible en fait, qui nous paraissait intéressant. Square Valérien Perrin, on est à peu près dans la même logique. Donc la fontaine, c'est le carré gris qu'on voit à l'interface de la prairie et du parvis minéral. Et après, on a choisi aussi de remettre en eau, de proposer en tout cas la remise en eau. Donc là, ça va être un peu plus complexe parce qu'il y a toute une dimension patrimoniale en lien
avec l'expo sur la houille blanche de 1925, de remettre en eau le bassin de la fontaine Bassin aux Escargots. Et donc là, on a les personnes aussi du patrimoine autour de la table, hein, et toute la question du bassin. Il y a l'ouvrage lui-même, et après, comment on va pouvoir trouver le meilleur système pour le remettre en eau, sachant qu'à mon avis, ça pose plein de questions. Et dans le cadre du budget participatif, il y a aussi, une fois qu'on est passé en phase de mise en œuvre, il y a toute la question de la concertation et comment on va pouvoir intéresser les voisinages en fait, de chacune de ces trois fontaines pour affiner la proposition, le projet, etc. Et donc, on était très heureuse d'être lauréate de ce projet-là et que cette opportunité-là, elle nous ait été faite de pouvoir présenter un projet et qu'il ait été retenu par les Grenoblois. Et ça donne quelque part envie de continuer et de proposer d'autres peut-être lieux de fraîcheur dans la ville, parce qu'il y a notamment toute la partie ouest, sud-ouest, les quartiers des Eaux-Claires, entre Eaux-Claires et Mistral, qui est très démunie, qui est quand même des quartiers de logement, et peut-être des choses à faire en lien avec d'autres parcs, le parc de la Savane, etc. Voilà. On avait pointé des choses comme ça, on avait fait pastiller une grande carte aussi aux participants au forum, donc il y a des points qui sont apparus, des points chauds qui doivent se rafraîchir, et donc voilà, il y a encore du travail là-dessus, je pense. Voilà. Merci. Merci à vous. Je pense que c'est une belle de toutes nos félicitations. Hein. Effectivement, vous avez rappelé que le vote a plébiscité votre projet. Et c'était une façon de terminer la soirée pour justement illustrer le fait que s'appuyer sur des initiatives citoyennes, c'est pouvoir aussi travailler sur notre mur des idées. Donc je vous invite maintenant, si vous avez d'autres idées, à aller immédiatement les inscrire. Merci à tous, merci encore aux intervenants pour certains qui ont dû partir et je vous souhaite une très belle soirée.